On m'entend bien sur YouTube. Super. Ok, bah du coup, bonsoir à tous. J'espère que vous êtes tous en forme, que vous portez tous bien. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Guillaume Collier. Je suis biologiste à l'Université de Mons et plus spécifiquement dans un laboratoire de biologie marine, qui est le laboratoire de biologie des organismes marins et biomimétisme. J'insiste sur le nom complet parce qu'on va justement parler de biomimétisme aujourd'hui. Quand j'ai préparé cette conférence, c'était pour un printemps des sciences il y a quelques années. C'était un printemps des sciences justement sur un peu la limite entre la science et la fiction. Il m'était venu justement à l'esprit de me dire, tiens, montrons un petit peu de quoi le cinéma s'inspire dans le monde vivant pour certains films, ou basons-nous sur justement certains films bien spécifiques, avec des capacités bien spéciales, pour montrer des exemples biomimétiques ou des exemples de capacités extraordinaires de certains organismes vivants. Donc, au sein de cette conférence, ce que je vais faire, c'est que je vais vous emmener de film en film, en fait, et d'organisme en organisme, en vous montrant certaines adaptations extraordinaires de notre biosphère. Alors, on va commencer par un exemple que vous connaissez probablement tous. Vous avez sûrement déjà vu ce film-là, qui est un des films de la saga Alien. Et une des caractéristiques bien spécifiques qu'ont nos aliens, c'est le fait d'avoir une double mâchoire. Alors, vous voyez là, donc une mâchoire extérieure, une mâchoire interne, et ça paraît complètement fou. Ça paraît vraiment être quelque chose qui sort de l'esprit d'un cinéaste. Mais figurez-vous que ça existe bel et bien dans le monde animal. Et je vais vous montrer justement une petite vidéo qui vous l'illustre avec la murène. Coupez le son. Alors, la murène que vous voyez là, qui est un organisme qui vit dans les récifs coralliens, là, qui est caché en dessous d'un rocher, qui vient de voir une proie, qui vient de voir un crabe, va s'approcher doucement du crabe. Et au moment où on va s'approcher du crabe, je vais avancer un petit peu la vidéo pour ne pas perdre trop de temps. Vous voyez qu'il y a un petit zoom au niveau de sa bouche et qu'à l'intérieur de sa bouche, en plus d'avoir une mâchoire normale qui lui permet d'appréhender le crabe, il va y avoir une deuxième mâchoire, qui est une mâchoire qui est dite pharyngienne. Vous voyez ici, cette mâchoire qui est là. Et cette deuxième mâchoire, en fait, elle est mobile, elle va pouvoir permettre d'attraper le crabe et de le ramener à l'intérieur de la bouche. Donc il y a bien une double mâchoire mobile. Alors cette mâchoire pharyngienne, elle n'existe pas que chez la murène. Elle existe chez plein d'espèces de poissons qui ont des petites dents qui sont développées au niveau des arcs bronchiaux à l'intérieur de la bouche. Mais chez la murène, c'est vraiment assez particulier, c'est que c'est mobile à une très grande vitesse. Alors, pourquoi la murène a développé cette adaptation-là? Parce que, premièrement, la murène, elle voit pas très bien. D'ailleurs, dans les récifs coralliens, il y a des associations symbiotiques qui sont bien connues de la murène, qui se mettent en symbiose avec des mérous. Donc, la murène a l'avantage d'être assez fine et de pouvoir se faufiler dans les récifs coralliens, mais n'a pas une bonne vue, alors que le mérou, lui, a une bonne vue, mais il est un peu plus gros, il ne s'est pas passé dans le récif corallien. Et donc, il y a une association, une collaboration entre ces deux poissons, où le mérou repère les proies et la murène attrape les proies. Comme elle a une mauvaise vue, en fait, le but, c'est d'attraper sa proie. Et le temps qu'elle ouvre la bouche pour déglutir, c'est la deuxième mâchoire qui prend le relais, la mâchoire pharyngienne, qui vient attraper la proie, dans ce cas-ci le crabe, et qui l'amène, pardon, vers l'œsophage pour terminer la digestion. Alors, la forme de l'alien, donc quand je vous dis alien, en réalité, dans ce cas-ci, on parle de la forme xénomorphe de l'alien, qui est l'alien adulte. Il faut savoir que les biologistes sont assez passionnés par Alien, et il y a pas mal d'études qui ont montré les cycles de vie de l'alien, et je vais vous en parler un petit peu après. Figurez-vous que la forme du xénomorphe, elle vient d'un autre organisme marin, qui est un organisme bien plus petit, qui était un organisme abyssal, que vous voyez ici à droite, qu'on appelle Phronima. Le Phronima, c'est un amphipode, donc en fait, c'est un crustacé, un tout petit crustacé qui fait partie du plancton et qui fait 5 mm de longueur. Et si vous regardez bien sa tête qui est ici, là, ben c'est de cette tête-là dont se sont inspirés finalement les scénographes de l'alien pour créer notre alien adulte, notre xénomorphe, qui possède justement une tête un petit peu transparente ici, qui fait apparaître un deuxième crâne, une deuxième couche de crâne derrière, avec même un crâne qui peut changer de couleur en fonction a priori de l'âge du xénomorphe. Ça allait assez loin au niveau de la description de la biologie de ces aliens. Et figurez-vous que cet amphipode du genre Phronima, on l'appelle aussi le tonnelier. Et en fait, c'est un animal qui est assez vorace, en fait, qui est un prédateur, qui va s'attaquer à d'autres types de zooplancton un peu plus gros, du type méduse par exemple, ou des salpes, qui sont d'autres types de zooplancton plutôt gélatineux. Et on l'appelle le tonnelier parce qu'en fait, il va aller manger ces organismes gélatineux de l'intérieur, il va les vider et en créer une sorte de tonneau.
en fait, dans lequel il va se réfugier pour se protéger d'autres prédateurs potentiels. La femelle va également pondre ses œufs dans ce système-là et va pouvoir pousser finalement le cadavre de méduse pour s'en servir comme un cocon pour faire grandir ses œufs. Un animal assez particulier. Et si vous regardez la forme alien du facehugger, donc si vous regardez le film, il y a un moment où donc en fait il y a une reine qui pond des œufs. Et au sein de ces œufs, finalement, vous avez lors de l'éclosion une sorte de bestiole ici là qu'ils ont appelé le facehugger, qui vient vraiment qui vient sauter sur le visage et qui vient déposer un ovipositeur, donc qui vend cette petite partie ici qui vient directement dans la bouche, qui permet de donner de l'oxygène à l'hôte. Donc, si vous considérez bien que Alien est considéré en réalité comme un endoparasite, parce qu'il vient pondre directement un organisme au sein de vous qui va avoir besoin de votre cycle de vie pour pouvoir se développer. Et cet animal-là, enfin, cette phase du cycle de vie de notre alien, il était basé sur un autre organisme qu'on appelle la limule. Votre limule qui est ici, en fait, c'est aussi un organisme marin qui est un peu spécial, hein, qui a une tête un peu particulière et qui fait environ 20-30 cm de large. Et cet animal-là, qu'on voyait d'un point de vue de sa vue dorsale, ça ne ressemble pas vraiment au facehugger. Par contre, la partie ventrale, où là, ça vous fait bien correspondre à un organisme arthropode, donc dans le même groupe que les insectes ou les crustacés, mais dans ce cas-ci, ce n'est pas un crustacé, c'est un chélicérate qui est donc plus proche des araignées et des scorpions que des insectes et des crustacés, par exemple. Vous voyez une forme un peu similaire, et ça, c'est un organisme aussi tout à fait particulier, je pourrais vous en parler pendant des heures, qui a du sang bleu. C'est vraiment très particulier. Alors, comme je vous l'ai dit, les biologistes sont assez passionnés par Alien, et en réalité, si vous comparez les films les uns avec les autres, on constate qu'au sein du cycle de vie de notre alien, il y a une coévolution en fait, entre l'alien et son hôte. Donc l'alien, je vous ai dit, est considéré comme un parasite, et en étant un parasite, en fait, il a intérêt à maintenir l'hôte en vie le temps qu'il se développe, en tout cas. Et puis, une fois qu'à un moment il est assez développé, il y a la phase, je crois que c'est Chest Blaster, si je me souviens bien, qui explose la poitrine de l'humain pour en ressortir et donner un autre adulte. Et si vous comparez les différents films de la série, en fait, on se rend compte que le cycle peut changer. Et donc, au lieu de passer d'un œuf au facehugger qui passe l'humain, puis qui ressort en chest blaster et qui devient un adulte, vous pouvez passer vers d'autres hôtes, par exemple vers d'autres mammifères, ce qui montre qu'il y a une coévolution entre votre parasite et votre hôte, et qui donne finalement d'autres formes finales d'aliens. Alors, il y a même des scientifiques de Mons, hein, des biologistes de l'université de Mons, qui ont fait il y a quelques années des descriptions du cycle de vie de ces aliens et qui montrent le lien qu'il peut y avoir justement entre ces aliens et certains insectes qu'on peut trouver facilement chez vous. Vous regardez les fourmis, les hyménoptères sociaux ont parfois des cycles de vie qui sont proches de ceux des aliens, avec une reine qui est très grosse, qui a un gros ovipositeur, qui va pondre des ouvrières finalement, et ces ouvrières ne vont faire que s'occuper de la reine au fur et à mesure de leur vie. Et dans ce cas-ci, finalement, l'œuf est considéré comme une forme de résistance qui va permettre de subsister pendant plusieurs années quand les conditions biologiques ne sont pas bonnes pour potentiellement venir infester un humain quand il y en a un disponible et continuer le cycle. Alors, quitte à parler d'aliens, autant parler de prédateurs. Vous avez sûrement déjà vu des films aussi Alien versus Predator. Et si vous regardez le Predator, il est vraiment connu pour avoir une vision assez spéciale. Il voit pas vraiment comme nous. Il voit en fait les organismes, il voit les choses qui émettent de la chaleur. Pour un prédateur, ça peut être assez pratique de voir des proies qui émettent de la chaleur. Donc, a priori, tous les organismes qui vont être considérés comme endothermes, afin de les voir se détacher finalement du fond d'écran, du background. Alors, c'est pas du tout un caractère qui est propre aux prédateurs, et ça existe bien entendu dans le monde vivant qui nous entoure. On a pas mal d'animaux qui peuvent voir des choses que nous, on n'est pas capable de voir, qui voient en dehors du spectre lumineux, en dehors de l'arc-en-ciel que nous, on est capable de voir. Donc, nous, on voit entre le rouge et le violet. On a une très bonne vision trichromatique, on voit pas mal les couleurs au sein des animaux. Par contre, on n'est pas capable de voir dans les ultraviolets, on n'est pas capable non plus de voir dans les infrarouges, par exemple. Et là, si je vous montre l'exemple
d'un serpent. Alors ici, il a pas, tous les serpents n'ont pas des yeux comme ça. Là, ici, il a des yeux un peu spéciaux. C'est parce qu'il va muer, probablement. Donc un serpent, quand, au moment où il va muer, il va devenir un peu plus terne. Au moment où il va changer de peau, justement. Et la peau des yeux change également. Donc au moment de la mue, bah, en fait, les yeux deviennent un peu recouverts d'un voile comme ça, comme s'ils avaient une cataracte un peu. C'est tout à fait spécifique. Mais donc là, les yeux n'ont pas une forme normale. Je vous avoue que ces serpents, c'est un mix entre la vision et l'olfaction. Mais on va être capable de détecter les organismes qui émettent de la chaleur, donc de détecter directement des infrarouges que nous, on n'est pas capable de voir, et donc de voir un peu la manière d'un prédateur. Alors, je passe à un autre exemple de film, et là, on va passer un peu chez les super-héros, et on va passer à notre Spider-Man, en se demandant si, ok, est-ce que cette manière d'adhérer, donc il adhère avec de la toile, bien entendu, mais est-ce qu'il peut également justement adhérer à des surfaces? Comment il fait pour adhérer à des surfaces comme ça? Est-ce que des organismes peuvent adhérer comme cela? Vous avez tous déjà probablement vu une mouche qui marche sur une surface vitrée ou qui marche à l'envers. Se demander un peu comment ça fonctionne. Là, c'est un principe physique et on a un autre animal qui est capable de faire ça, un animal un peu plus gros, qui est un gecko. Alors, tous les geckos ne sont pas capables de faire ça, ici, c'est un gecko toqué. Et ces geckos toqués, en fait, si vous regardez, ils sont capables, en effet, de se suspendre sur des surfaces vitrées et la tête à l'envers. Et en fait, au niveau de leurs pattes, au niveau de chaque doigt, vous avez des petites lamelles ici qui viennent dessiner un petit pattern tout à fait particulier. Et si vous zoomez au niveau de ces lamelles, ici au niveau des doigts, vous allez observer d'autres types de patterns qu'on voit au niveau de petits poils qu'on voit ici. Et ces petits poils s'appellent des sétules. Et si vous venez encore zoomer sur ces sétules, vous allez voir que chaque sétule, en réalité, va se disperser, se diviser en plein de petites extrémités, et chaque extrémité va encore se disperser pour avoir une sorte de petite arborescence, comme ça. Alors, le but de faire ça, c'est quoi? C'est d'augmenter la surface d'interaction, la surface d'échange avec le milieu extérieur. En fait, ce que vous devez imaginer, c'est que chacune de ces petites extrémités va venir interagir avec la matière. Elle va interagir de manière très faible avec la matière. C'est ce qu'on appelle les forces de Van der Waals. Ce sont des forces d'interaction faibles. Donc, en réalité, si vous considérez chaque extrémité de ce petit poil, il va n'interagir que très, très, très faiblement avec la matière. Mais il y en a tellement, il y en a plusieurs millions par lamelle, par spatule, on les appelle aussi des spatules, que vous imaginez qu'en fait, ça supporte tout à fait le poids du gecko. Et qu'en réalité, certains scientifiques sont amusés à calculer la force d'adhérence que pouvait avoir l'ensemble des interactions de Van der Waals qui étaient permises par toutes ces sétules sur tous les doigts d'un gecko. Et a priori, ça pourrait permettre de supporter jusqu'à 150 kilos de poids. Alors, si vous mettez un poids de 150 kg sur un gecko, on est d'accord qu'il va se casser en deux, donc ça ne fonctionne pas. Et donc, a priori, c'est un système qui pourrait tout à fait permettre à notre Spider-Man d'adhérer aux surfaces, finalement. Alors, il y a d'autres capacités, bien entendu, d'adhérer à une surface. Donc, je vais parler d'une adhérence plutôt physique. Sinon, l'adhérence peut-être un petit peu chimique. Là, d'office, je suis obligé de vous parler de cet exemple-là parce que c'est un exemple qu'on étudie au laboratoire en biologie des organismes marins et biomimétisme, justement, où on s'intéresse à l'adhérence des organismes marins, et dans ce cas-ci, l'adhérence d'une étoile de mer. Alors, la prochaine fois que vous voyez une étoile de mer, vous pouvez la prendre en main et la retourner, donc sans lui faire de mal, bien entendu. Et si vous la retournez sur la partie ventrale qui est ici, vous avez une bouche qui est ici au centre des cinq bras, et en réalité, dans chacune de ces bras qui est ici, vous allez observer des sortes de petits tubes ici, qui sont une petite boule, on les appelle des podia. Et ces podia vont permettre le déplacement de l'étoile de mer. En gros, ce que vous devez considérer, c'est qu'au bout de chaque podia, on a une sorte de petite boule blanche ici. Et si vous regardiez les thématiques les bouquins de biologie il y a 20 ou 30 ans, on était convaincu que c'était des ventouses. Et donc, vous avez dit, bah, tiens, c'est facile, l'étoile de mer va se déplacer, et puis elle va venir ventouser les surfaces pour pouvoir adhérer avec celle-ci. Puis on s'est rendu compte que pas du tout, ce n'est pas du tout des ventouses, ce sont des glandes qui produisent de la colle. Vous devez imaginer qu'au bout de chacun de ces petits podia, vous avez donc une glande qui produit une glu qui colle sous l'eau, qui est un truc qu'en tant qu'humain, on n'est pas capable de faire en réalité. Donc, on est capable, on a de la super glu qui polymérise bien dans l'air, mais on n'a pas de colle qui polymérise dans l'eau, justement, dans les milieux aqueux. Et donc, c'est une des thématiques qu'on a ici au laboratoire de biomimétisme, donc de s'inspirer de la nature pour avoir des applications pour l'être humain. C'est d'essayer de copier cette colle, justement. Imaginez toutes les applications qu'on pourrait avoir, bon, dans tout ce qui est travaux hydrologique, bien entendu, mais aussi dans tout ce qui est médical. Donc, imaginons que vous alliez chez le dentiste et qu'on doit vous faire des points.
plutôt que faire des points, on pourrait vous mettre un trait de colle d'étoile de mer, et comme c'est une colle qui fonctionne dans un milieu aqueux, dans une bouche où il y a beaucoup de salive, ça pourrait fonctionner. On pourrait imaginer que la cicatrisation soit bien meilleure, justement avec une colle qui permet de bien venir coller les tissus les uns avec les autres, on aurait une meilleure cicatrisation qu'avec des points. Alors, ce qui est encore un peu plus fou en réalité, c'est qu'au bout de chacun de ces petits podia, là, il y a un autre système glandulaire qui permet de décoller le podia. Et donc, chaque bout de podia est constitué d'un système duoglandulaire. Il y a une partie des glandes qui produit une colle, et puis une partie des autres glandes qui produit une décolle pour quand le podia doit se détacher. Donc, c'est un système qui est vraiment super complexe pour des animaux qui paraissent aussi simples que des étoiles de mer, et qui sont aussi partagés par d'autres animaux du même groupe qu'on appelle les échinodermes d'ailleurs. Alors, une autre caractéristique qu'a notre Spider-Man, c'est bien entendu des maîtres de la soie. Donc, a priori, il est né d'une. Spider-Man naît un peu d'une mutation entre une araignée et un humain, où il y avait une araignée un peu spéciale de laboratoire qui le mord et qui lui transmet des gènes capables, en tout cas, de produire des caractères spécifiques liés aux araignées. Alors, il faut savoir que certaines araignées peuvent produire de la soie au niveau de l'extrémité de leurs pattes. Il y a entendu des glandes spécifiques qui sont au niveau de l'abdomen et qui produisent de la soie pour former des toiles d'araignée. Mais il est aussi possible qu'au niveau de certaines mygales, notamment, on a repéré qu'au niveau des pattes, il y avait des productions de petites microtubules de soie qui permettaient à l'araignée de marcher sur des surfaces qui n'étaient pas stables, afin de pouvoir stabiliser les surfaces sur lesquelles elle marchait. Alors vous allez me dire, oui, mais tiens, les araignées, elles sont capables de former des toiles d'araignée tout doucement, là, parfois pendant des heures, mais elles ne sont pas capables d'envoyer des fils comme ça, comme le fait notre Spider-Man. Je vais vous montrer que justement, certaines araignées le font. Peut-être pas les araignées qu'on a dans nos contrées à nous, mais si vous vous baladez plutôt en Amérique du Sud ou en Afrique, vous avez certaines araignées qui sont capables, comme vous voyez sur ces petites vidéos, d'envoyer un filet de soie directement, soit pour faire un piège de soie, soit pour former un cocon, soit pour former un piège pour attraper directement des proies qui seraient en mouvement, par exemple. Autre capacité particulière, et là c'est vraiment une araignée que j'adore, donc je suis un peu arachnophobe, là-bas, j'ai un peu peur des araignées, mais quand vous voyez les capacités incroyables qu'ont ces organismes, en général ça vous permet de surmonter un peu la peur des araignées. Je vais vous montrer une autre araignée qui est ici, qu'on appelle l'araignée Bola. C'est une araignée d'Amérique du Sud, et c'est une araignée qui, comme vous le voyez, est experte dans la chasse de papillons de nuit. Alors cette araignée, elle va produire un petit fil de soie, au bout de laquelle elle va mettre une sorte de boules de glu. Donc il y a différents types de soies, comme vous le savez probablement, il y a des soies qui sont plutôt collantes, des soies qui sont plutôt sèches, qui vont permettre de transmettre les vibrations pour montrer à l'araignée qu'il y a une proie qui s'est attrapée dans une toile d'araignée par exemple. Mais ici, elle va faire plus fort cette araignée-ci, c'est que dans cette boule de soie gluante, collante, elle va émettre l'odeur, la phéromone d'un papillon de nuit femelle. Donc il va copier l'odeur phéromonale d'un papillon de nuit femelle, et votre papillon de nuit mâle va se balader pendant la nuit et va, tiens, ça sent la femelle, je sens des phéromones de femelle aux alentours, et donc va avancer vers la concentration la plus grande de cette phéromone pour essayer justement de repérer une femelle pour pouvoir s'accoupler. Et ce qui va se passer, c'est que votre araignée, elle va faire balancer sa boule de glu au bout de son fil de soie, comme un peu comme un rodéo. Et votre papillon de nuit va avoir un truc qui bouge, va foncer vers la boule de glu et va se faire attraper directement par l'araignée. Vous voyez un système de chasse bien particulier, vraiment avec un fil de soie qui est mis un peu comme notre Spider-Man. Donc on retrouve encore des capacités biomimétiques ici dans ce cas-ci. Partons maintenant au niveau d'autres super-héros. Et cela, c'est une caractéristique qu'on retrouve chez. Je parle de super-héros, donc je vous ai montré par exemple ici Wolverine chez les X-Men ou chez Deadpool, par exemple, qui a la capacité de régénération des tissus, qui paraît être un super pouvoir, un des meilleurs super pouvoirs à avoir en tant que mutant. Et tiens, on peut se demander aussi, ok, au niveau de l'humain, on est capable de cicatriser, certains organes sont meilleurs en régénération que d'autres, on pense au foie, par exemple, on pense à une fracture osseuse quand vous faites mal. Par contre, d'autres tissus, comme certains tissus nerveux, par exemple, sont connus pour moins bien se régénérer, par exemple. On peut se demander ce qu'il en est en se baladant dans le monde animal, et particulièrement chez les invertébrés. Je vous montre ici deux exemples d'invertébrés qui ont des capacités de régénération bien plus grandes que les nôtres, et en réalité, c'est vraiment une pléthore d'organismes d'invertébrés qui sont capables de se régénérer. Et qui, par exemple, vous avez l'exemple ici en haut à gauche, d'une étoile de mer, vous voyez qu'au lieu d'avoir cinq bras, en fait, elle n'a plus que deux grands bras qui sont là,
et trois petits bras qui sont ici sur le côté, qui en fait qui ont été des bras qui ont été perdus, soit ils ont été coincés sur un rocher ou attaqués par un poisson ou je ne sais pas ce qui a pu arriver à cette étoile de mer. Mais vous voyez que les bras sont tombés et les bras sont en train de repousser petit à petit. Et au fur et à mesure des mois, ces bras peuvent repousser entièrement. Et je vous ai déjà peut-être parlé, si vous avez suivi la conférence que j'avais donnée sur les concombres de mer, par exemple. Certains concombres de mer sont capables de s'éviscérer complètement pour laisser les viscères à manger par un prédateur, de pouvoir s'échapper et de tout régénérer en quelques mois. Donc, régénérer leur tube digestif, régénérer leur gonade et leur système respiratoire en quelques mois. Donc, certains organismes ont des capacités de régénération extraordinaire. Et certains organismes utilisent ces capacités de régénération pour se reproduire. Donc, si vous regardez l'animal qui est ici, c'est un ver plat, on va appeler ça un platelminthe. Et ce ver plat, vous voyez que pour se multiplier, il va faire une reproduction asexuée. Et pour ça, en fait, il va tout simplement reproduire un autre organisme de sa même. Donc, il va se cloner, en fait. Et donc, vous voyez qu'ici, il est capable de produire un autre organisme qui finalement va venir se décoller petit à petit. Il va faire ce qu'on appelle une fission binaire. Donc, vous allez passer d'un organisme à deux organismes qui ont du coup la même information génétique, la même identité génétique, deux clones qui sont divisés par régénération, quoi, finalement. Alors, cette régénération, elle implique quoi? Elle implique d'avoir des cellules qui sont ce qu'on appelle pluripotentes ou totipotentes, c'est-à-dire ce sont des cellules qui vont être non différenciées, des cellules qui vont être capables de se différencier dans le tissu dans lequel vous voulez qu'elles se différencient. Donc, imaginons que vous ayez un souci à un organe particulier, donc c'est une thérapie hein, qui existe à partir de la base de cellules souches, on dit. Mais les cellules souches sont justement des cellules pluripotentes ou totipotentes, où vous injectez dans un organe particulier et qui du coup va, en fonction de son environnement cellulaire, va se différencier, elle va exprimer certaines protéines, certains gènes vont s'exprimer et pas d'autres, et donc elle va se transformer dans une cellule musculaire, osseuse, nerveuse ou de peau, quoi, par exemple. Et ces organismes-là gardent un certain stock de cellules souches, de cellules totipotentes en stock, au cas où justement il faudrait se régénérer. Alors ça implique autre chose, ça. Ça implique que vous avez probablement entendu parler de cet exemple qui a fait un peu le buzz dans les médias d'une fameuse méduse du genre Turridopsis, qui est cette méduse qui est ici là à gauche, qui a été considérée comme immortelle. Ça a vraiment fait le buzz à un moment, parce qu'on s'est rendu compte en fait, que cet organisme-là n'était pas capable de vieillir. Alors, ok, c'est quoi le vieillissement en biologie? Le vieillissement, c'est le fait qu'à chaque fois que vos cellules se divisent, elles vont perdre une petite partie de l'ADN. En fait, il y a le bout des chromosomes, qu'on appelle les télomères, qui se réduit au fur et à mesure des divisions cellulaires. Il y a un moment où les télomères sont trop petits, mais en fait, l'ADN est moins bien protégé, les chromosomes sont moins bien protégés. Et donc, c'est plus propice à la dégradation cellulaire et du coup au vieillissement général, à une diminution du métabolisme et au vieillissement finalement de l'organisme. Ce qui se passe, c'est que comme vous avez des capacités de régénération qui sont dues aux cellules souches, mais qui sont dues aussi à des réparations d'ADN qui sont bien meilleures que les nôtres, des systèmes de réparation d'ADN qui sont bien plus efficaces que chez les nôtres. Donc vous vous retrouvez avec des organismes qui sont capables de se multiplier plus ou moins à l'infini sans vraiment avoir de signes de vieillissement. Et donc il n'y a pas de signe de la multiplication cellulaire qui se voit au niveau de l'ADN. Et donc ça a fait apparaître le mythe de cette méduse immortelle. En réalité, j'aime pas trop qu'on dise méduse immortelle, parce qu'elle peut très bien se faire manger par un prédateur à n'importe quel moment, okay? Mais donc c'est vrai qu'elle ne, a priori, elle ne vieillit pas cellulairement. En réalité, je pense que ça a juste pas assez été investigué maintenant. Ça, c'est mon avis personnel. Mais je crois que beaucoup d'invertébrés qui sont marins ou terrestres sont en réalité ne vieillissent tout simplement pas. Et en fait, ont leur histoire de vie qui n'est pas modifiée par la vieillesse, mais juste par un événement de vie, de style acte de prédation, par exemple, ou maladie, ou parasite qui puisse arriver. Ça amène parfois à des organismes qui peuvent vivre très vieux. Donc, l'organisme que vous voyez ici, là, c'est un exemple de corail noir, on appelle les antipathères, sur lesquels on travaille aussi dans notre laboratoire. Et figurez-vous que certains antipathères, certains coraux noirs, sont datés de 5000 ans. Et sont encore vivants maintenant. On a aussi retrouvé des bivalves, donc des organismes de type coquille Saint-Jacques de moule, qui ont plusieurs milliers d'années également. Donc, ce n'est pas si étonnant que ça qu'on ait des organismes qui ne vieillissent pas vraiment en réalité. Ça dénote des capacités de réparation d'ADN qui sont aussi assez importantes. En tout cas, je vous ai montré que ces organismes ont des cellules souches, sont capables de perdre un membre et de le régénérer. Ils peuvent même faire mieux que ça. C'est qu'ils sont capables parfois, par comportement, pour survivre, de activement couper
un organe. Je vais vous montrer l'exemple ici dans une petite vidéo de deux crevettes. Ici, vous avez une crevette mante qui est un prédateur assez redoutable. Ici, vous avez une crevette boxeuse. Donc, on est sur un récif corallien d'eau chaude ici dans ce cas-ci. Alors que cette crevette boxeuse, elle va retirer une de ses pinces pour la donner à la crevette mante pour éviter de se faire manger entièrement. Donc, je vais déjà couper le son à l'avance. Hop. Vous voyez cette petite crevette boxeuse ici, vous voyez que la crevette mante, elle est assez agressive, elle l'attaque. Vous voyez, elle vient prendre avec une de sa masse, elle vient de détacher sa pince directement. Je vous le remontre au cas où vous ne l'aviez pas bien vu. Hop. Je vais mettre une petite pause au bon moment. Voilà. Donc vous voyez qu'avec une de ses pinces, elle vient attraper l'autre pince et elle vient, poup, la détacher, la donner à la crevette mante. Et pendant ce temps-là, du coup, elle peut s'échapper pendant que la crevette mante, elle récupère le bras pour pouvoir le manger. Donc ça, l'autotomie, c'est un comportement qu'on appelle l'autotomie. C'est exactement la même chose que vous avez quand vous prenez un lézard par la queue, par exemple, que le bout de la queue se détache. C'est ce qu'on appelle une apoptose. Donc vous avez des cellules qui sont à cet endroit-là, en fait, qui vont mourir volontairement afin de détacher les tissus et de permettre à l'organisme de s'échapper en laissant une toute petite partie qui n'est pas spécialement très importante aux prédateurs pour pouvoir se régénérer par la suite et au moins survivre. Hop, je reviens un peu en arrière. Alors, tant qu'on parle de capacité de modélisation de l'ADN, en tout cas de régénérescence de l'ADN, parlons un peu de résistance aux radiations. Alors là, je vous montre Godzilla, qui est apparu dans le cinéma japonais juste après l'après-guerre et les catastrophes nucléaires que vous connaissez, qui est un animal, a priori, il y a plusieurs théories au niveau de Godzilla, donc c'est soit un organisme préhistorique qui était en dormance depuis plusieurs millions d'années et qui a été réveillé par les catastrophes nucléaires, ou c'est un organisme qui aurait muté. Donc un organisme de type lézard, de type plutôt iguane, qui est atteint de gigantisme grâce aux radiations, grâce aux mutations. En tout cas, un truc qu'on pourrait déjà, première remarque de biologiste qu'on peut voir, qu'on vit un organisme de cette taille-là, c'est qu'a priori, en tout cas, il a dû changer de mode de métabolisme. On a du mal à imaginer que cet organisme-là soit poéquilotherme, donc qu'il soit sans froid, juste à cause de sa taille, de son volume et donc de son poids. En général, à partir d'une certaine taille, vous êtes obligé d'être un organisme à sang chaud pour pouvoir produire assez d'énergie, pour pouvoir vous mouvoir. Donc, si c'est bien un lézard, en tout cas, c'est un lézard qui est devenu homéotherme et qui produit sa propre chaleur probablement. On peut se demander, tiens, ok, quel est l'impact des radiations sur les organismes? Comme vous pouvez vous en douter, tout ce qui est radioactif en général, c'est considéré comme assez dangereux, comme assez toxique, parce que vos produits chimiques radioactifs vont produire des radiations qu'on va dire ionisantes. Alors, ces rayonnements ionisants, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont ioniser les molécules, donc ils vont les rendre sous forme d'ions, sous forme chargée. Alors, ça a plusieurs formes d'impact sur l'humain, ou enfin sur les organismes vivants de manière générale, c'est que ça peut soit directement détruire des cellules, un organisme directement à court terme, mais ça peut aussi impacter votre ADN. Et donc ça peut, si vous voyez dans l'exemple que vous voyez là, vous voyez tout simplement un rayonnement ionisant qui est venu impacter deux bases au niveau d'un ADN. Le problème, c'est que quand vous voyez, il y a deux bases de couleurs qui partent, et juste après que ces rayonnements ionisants partent, vous voyez une rouge, une bleue ici qui part, vous voyez deux systèmes qui partent, et vous voyez que ceux qui sont venus après, c'est un jaune et un vert. Ça, c'est un problème, en fait, dans vos capacités de régénérescence de l'ADN. Donc, on a des systèmes particuliers, des systèmes biomoléculaires dans chacune de nos cellules, qui vont, en fait, bien veiller à ce que la réplication de l'ADN se soit bien faite. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une de vos cellules se divise, par exemple, tout votre ADN va être copié exactement à l'identique et va être mis dans la cellule finie. Alors, il faut être bien certain que cet ADN a bien été copié, parce que imaginez que dans chacune de vos cellules, vous avez 3 milliards de paires de bases d'ADN, c'est assez conséquent à copier. Il faut être certain de ne pas faire d'erreur, parce que parfois une petite erreur au sein d'une paire de bases, ça vous donne une cellule qui n'est pas viable à long terme, par exemple. Donc, vos systèmes de régénérescence vont tous triner au fur et à mesure de l'ADN et vont essayer de remettre les deux mêmes paires de bases s'il y a une erreur. Ils vont repérer les erreurs et réparer les erreurs. Tout ça, c'est quand tout se passe bien entendu, parce que quand ça se passe mal, vous avez certaines mutations qui peuvent apparaître, comme là, votre petit poisson des Simpsons. Mais plus sérieusement, vous pouvez avoir l'apparition de cancer, par exemple, avec des cellules qui vont en fait être inarrêtables, vont se multiplier à un rythme beaucoup plus grand que le rythme biologique naturel,
et donc vont amener à la croissance de tumeurs, par exemple, qui peuvent être malignes et venir diverger le système sanguin pour avoir plus de nutriments et grandir plus vite. Donc ça, c'est impressionnant à voir. Okay, est-ce qu'on est tous égaux par rapport à ça? Comme vous pouvez vous en douter, non. On a certains organismes qui sont connus pour mieux résister aux radiations que d'autres. Et très souvent, on parle de la blatte, on parle des cafards. On dit souvent que les cafards sont les premiers organismes à réapparaître dans un écosystème dans lequel il y a eu des radiations fortes, que ce soit une catastrophe naturelle ou une catastrophe due à des rayons X, par exemple. Mais en fait, c'est plutôt un mythe. En réalité, il n'y a pas que les cafards. Donc, les cafards sont en effet capables, bien, bien mieux que nous, de résister aux radiations. Ils ont un système de régénérescence, de réparation de l'ADN qui est bien meilleur que le nôtre. Mais en réalité, il y a plein d'autres insectes qui sont plus résistants que les cafards aux radiations. Et plus particulièrement, un des champions de résistance aux radiations, ce sont les scorpions. Donc là, on reste dans le même groupe, on reste dans les chélicérates, dans le même groupe que les araignées et les limules dont je vous ai parlé avant. Alors ici, votre scorpion, ici, il apparaît blanc, il apparaît transparent. En fait, il est éclairé par des lumières UV. Donc ça n'a rien à voir en fait avec la partie résistance aux radiations. C'est juste que comme ils sont dans des zones désertiques, ils sont obligés de produire une sorte de crème solaire naturelle pour pouvoir résister aux ultraviolets assez puissants qui sont produits par le soleil dans les zones dans lesquelles ils vivent. C'est pour ça que si vous arrivez avec, vous trouvez un scorpion et que vous le mettez sous une lampe UV, ben il va fluorescer. Donc il va réémettre dans le domaine visible des ultraviolets, donc il va vous apparaître fluo. C'est assez marrant. Figurez-vous que cet organisme-là est capable de résister à 150 sieverts de radiation. Donc en fait, on considère l'impact biologique des radiations en ce qu'on appelle l'échelle des sieverts. Donc pour la limite de l'humain, c'est 5 sieverts, pour vous donner une idée. Et donc ça ne vous dit peut-être pas grand-chose comme ça, mais le scorpion, lui, c'est 150 sieverts. Vous voyez un peu le delta de différence au niveau régénération ADN qu'on a entre nous et les scorpions. En réalité, de manière générale, les mammifères, les organismes plus complexes, ont un moins bon système, les vertébrés même, de manière générale, ont un moins bon système de réparation de l'ADN que les invertébrés. Alors, je vous donnerai un exemple qui est aussi bien connu maintenant. C'est les loups, les communautés de loups en Biélorussie qui sont dans les zones de Tchernobyl. Alors, figurez-vous que ces loups, c'est assez particulier. Mais donc, la majorité des organismes qui sont encore du coup, dans la zone de confinement de Tchernobyl sont des organismes qui ont une moins grande espérance de vie que leurs compères sauvages. Alors, les loups, ici, c'est particulièrement le cas. Ils vivent entre 5 et 10 ans moins vieux que leurs congénères sauvages. Et en fait, ils sont adaptés. Et en s'adaptant, en fait, ils ont une maturité sexuelle qui apparaît plus tôt. Donc, ils sont matures sexuellement plus tôt et vont pouvoir se reproduire plus tôt. Donc, en effet, ils meurent plus vite, mais ils peuvent se reproduire plus tôt. Et donc, il y a une adaptation des cycles de vie, une adaptation à leur mode de vie particulier qui leur permet de continuer à pouvoir se reproduire génération après génération. Alors vous avez peut-être vu des articles de journaux qui parlaient de certains de ces loups maintenant qui sortent des zones de Biélorussie et qui partent un peu en pèlerinage un peu partout en Europe, en tout cas qui sortent de Biélorussie, en tout cas en Europe de l'Est. Et on dit ben là que c'est dangereux parce que ces loups auraient des gènes radioactifs. Donc ça, c'est un petit peu bidon. Hein. Donc la radioactivité ne va pas rester dans les gènes. C'est possible que certains gènes soient mutés par la radioactivité. Ici, je pense que l'espérance de vie plus courte n'est pas liée à des gènes radioactifs, mais à la radioactivité ambiante qui est ancrée dans le sol, qui est ancrée dans l'air et qui, du coup, la impacte sur la qualité de leur ADN et sur la qualité de leur reproduction sexuelle, de leur reproduction cellulaire, pardon. Il n'y a pas de gènes radioactifs dans ces loups, bien entendu. Alors, quand on parle de résistance aux radiations, maintenant, on va parler de survivre dans l'espace. Alors, vous avez vu toutes les probablement toutes les autres conférences du cycle MUMONS, avec toutes ces conférences dans l'espace. Et une question qu'on peut se poser, c'est tiens, bon, l'humain, on est obligé d'avoir des énormes couches pour exister dans l'espace, sauf dans certains films. Vous voyez, par exemple, ici, dans l'avant-dernier Star Wars, vous avez Leïla qui se réveille dans l'espace et qui utilise la force tranquillou pour revenir dans son vaisseau spatial, pour tout remettre en place, comme si de rien n'était. Ça paraît complètement impossible, complètement fou. Ok, il n'y a aucun organisme qui est capable de faire ça. Je vais vous présenter le champion toute catégorie des organismes extrémophiles qui est capable de résister à des conditions biologiques très particulières, qu'on appelle le tardigrade.
Alors, c'est un animal bizarre qui va peut-être pas vous paraître mignon. Ça dépend des gens. Il y a des gens qui le trouvent mignon et d'autres pas. Moi, je le trouve super mignon, mais bon, je suis biologiste, donc j'avoue que j'ai probablement pas les mêmes goûts que tout le monde. Avec cet animal-là, en fait, il y a plus de 1500 espèces de tardigrades. Et on les appelle aussi les oursons d'eau. C'est tout petit, hein, ça fait quelques microns, voire peut-être un demi-millimètre pour les plus grands de longueur. Ces animaux vivent souvent en eau douce ou en eau marine associée à des éponges et vont se nourrir des protozoaires, donc des petits organismes unicellulaires comme la petite algue que vous voyez ici en bas à gauche qui se balade à côté de notre tardigrade. Et cet animal est tout à fait particulier au niveau de ses résistances à des conditions environnementales complètement folles. Alors, pour vous donner une idée, cet organisme, et donc il est extrémophile dans le sens où il peut résister à des conditions extrêmes. Au niveau de température, par exemple, on a déjà descendu cet organisme-là à des températures très proches du zéro absolu, c'est-à-dire moins 272 degrés Celsius. Et cet animal est capable de résister à ça. Il va résister à plus de 150 degrés Celsius. C'est aussi un animal qu'on peut retrouver près de zones abyssales où il y a ce qu'on appelle des cheminées noires, des zones hydrothermales, à partir desquelles il y a des fumées qui sortent de volcans sous-marins. Et à cause de la pression, en fait, l'eau ne bout pas, même à plusieurs centaines de degrés Celsius. Et vous pouvez retrouver des tardigrades qui résistent tout à fait à cette température de plus de 50 degrés. Ils sont capables de résister non seulement à des pressions de plus de 6000 atmosphères, mais ils sont aussi capables de résister au vide stellaire. Donc, ils sont capables de résister à du zéro atmosphère. Ils sont capables de résister assez bien aux radiations, en tout cas. Ils sont capables de résister à la dessiccation. C'est vraiment, ils sont même capables de résister à certains produits toxiques. Alors, comment ils font ça? Ils rentrent dans une sorte de phase de latence, une phase de résistance, qu'on va appeler de la cryptobiose. La cryptobiose, c'est un phénomène qui fait que votre organisme va complètement diminuer son métabolisme et va se mettre sous forme de résistance, qui va se mettre en boule. Et certaines protéines, dont j'ai oublié le nom d'ailleurs, mais il y a un petit acronyme en fait qui vous explique que ce sont des protéines qui ont un rôle vraiment dans la résistance à des particularités complètement folles de ces conditions environnementales extrêmes, qui lui permettent en fait à l'ADN de ne pas se dégrader même en conditions de sécheresse, qui est probablement un des stress les plus importants, le stress hydrique pour les organismes vivants. Cet animal-là est un des rares animaux qui était envoyé dans l'espace et qui a été en fait emmené au sein d'une sonde qui était mise en orbite autour de la Terre. Et certains tardigrades ont été sortis dans le vide interstellaire et ont résisté. Alors, tous n'ont pas survécu, mais il y a quand même pas mal qui ont résisté. Et pour ceux qui ont survécu, en tout cas, on pense que, enfin, ceux qui sont morts, on pense que c'est surtout les radiations qui leur ont été fatales. Donc un animal qui est tout à fait particulier au niveau de ses résistances aux conditions extrêmes, conditions folles. En parlant de voyage dans les étoiles, vous avez probablement peut-être vu la conférence de Claude Semet ce mardi. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille vraiment de la voir, c'est assez passionnant sur les voyages vers les contrées lointaines de notre galaxie et même peut-être même vers d'autres galaxies. Et là, on s'intéresse à des zones, donc des voyages assez longs, si on peut imaginer. On s'intéresse à cette capacité qu'on pourrait mettre finalement en dormance, pour être congelé, pour essayer de ne pas voir passer le temps et de ralentir le métabolisme. Alors, tout ça existe dans plein de films de science-fiction, ou dans Star Wars, vous voyez ici dans Futurama ici à droite, où ça vous permet finalement de passer des années sans vraiment le sentir, sans devoir vous nourrir, en ralentissant votre métabolisme. Alors, tout ça fait directement référence à tous les organismes que vous connaissez. Je vous montre chez les mammifères avec ce qu'on appelle l'hibernation, qui permet à des organismes de passer la mauvaise saison, la saison froide dans laquelle il n'y a pas de nourriture, dans laquelle les températures sont froides, dans laquelle c'est plus dur de résister. Alors, très souvent, on va vous parler d'hibernation, on va dire, tiens, qu'un ours est capable d'hiberner. Là, je vais déjà vous faire la différenciation entre deux mots qui se ressemblent très fort, mais qui sont assez différents. C'est l'hibernation et l'hivernation. La grosse différence, c'est que vous ne verrez jamais un animal plus gros qu'une marmotte hiberner. Okay, donc les marmottes sont les mammifères les plus gros qui sont capables d'hiberner. Alors, il y a plein d'autres animaux autres que les mammifères. On va partir chez les lézards, on va partir chez les batraciens, on va partir chez plein d'organismes qui sont capables de diminuer leur métabolisme complètement pour résister
à des formes froides de l'environnement. Au moment où l'été de sa fin, ou l'automne, l'organisme va manger un maximum, c'est-à-dire des réserves de graisse, pour lui permettre de subsister pendant cette saison froide, il va se mettre en pause. Donc, ce qui va se passer, c'est que le cerveau se met carrément en pause, un animal qui se met à dormir, qui rentre en phase de latence. Et le métabolisme, au lieu d'avoir un métabolisme à 100%, vous avez un métabolisme qui tombe à 2%. Et donc, pour vous donner une idée, pour un organisme, un petit rongeur, par exemple, qui a une pulsation cardiaque moyenne de 350 battements par minute, comme vous le savez probablement, des animaux plus petits vont avoir un battement cardiaque plus grand. Donc, un petit rongeur de 350 battements cardiaques par minute passe à 2 battements. Par minute, 2 ou 3 battements par minute pendant une phase d'hibernation. Et donc, pendant cette phase-là, le métabolisme est complètement réduit et donc l'animal a besoin de beaucoup moins de réserves énergiques pour pouvoir survivre. Alors, quand je vous dis que vos organismes qui hibernent passent à 2%, on a calculé que pour le tardigrade que je viens de vous montrer juste avant, le métabolisme, il passe à 0,02%. On passe à 0,02%. Et donc, un des trucs que je ne vous ai pas dit, c'est que certains tardigrades ont été mis au congélateur à moins 20 degrés pendant 20 ans, ont été ressortis après 20 ans, et ont pu réémerger et être encore vivants. C'est quand même assez particulier. Alors, quand je vous dis que les plus gros animaux n'hibernent pas, ils hivernent, la différence, c'est que le cerveau va rester beaucoup plus actif, en fait. Et que donc, je vous déconseille fortement d'aller déranger un ours qui est en train d'hiverner, parce qu'il va se réveiller très rapidement et peut vous chasser assez rapidement. Alors qu'en fait, si vous trouvez un animal qui hiberne, vous pouvez quand même un peu l'embêter, le porter, etc. En général, il ne va pas se réveiller. C'est assez déconseillé d'ennuyer ces animaux-là pendant qu'ils sont en train d'hiberner, et vous risquez moins. Malheureusement, les ours n'hibernent pas, ils hivernent. C'est un petit message de sécurité pour vous. Donc ces animaux-là ne résistent pas vraiment au gel. Donc, ils se mettent en pause et ils attendent que la bonne saison revienne en diminuant leur métabolisme. Mais d'autres animaux sont vraiment capables de geler, en fait. Vous voyez l'exemple ici de ce batracien ici. Il n'y a pas que des batraciens, il y a aussi certains poissons qui sont capables de faire ça. Donc figurez-vous parfois dans les milieux marins, que en Arctique par exemple, l'eau descend dans les températures négatives. Mais en étant salée, elle ne va pas geler même à moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5 degrés, par exemple. Vous devez avoir des organismes qui résistent à ces températures-là. C'est le cas de cette grenouille-là, par exemple, qui va avoir un foie particulier qui va stocker beaucoup de glycogène. Et ce glycogène va être transformé en une forme proche d'un antigel qu'on va appeler le glycérol, qui va se former dans le sang. Donc, c'est un peu entre un alcool et un sucre. Et ça va permettre, en fait, aux cellules de ne pas geler, de ne pas se cristalliser. En fait, c'est ça le gros problème. Quand vous devez congeler un organisme, c'est que des cristaux vont se former. Alors, il y a une solution pour ça, c'est d'essayer de congeler le plus vite possible. Donc, vous plongez directement un animal dans de moins 200 degrés, a priori, les cristaux ne vont pas se former. Le problème, par exemple, si vous devez congeler un humain, c'est que même si vous trempez un humain directement dans de l'azote liquide, l'humain va se congeler beaucoup trop lentement, les tissus vont se congeler beaucoup trop lentement, parce qu'on est trop volumineux, que pour ne pas avoir de cristaux qui se forment. Et donc, congeler un humain, ça paraît encore assez compliqué actuellement. Mais vous pouvez, bien entendu, réduire votre métabolisme en allant dans des zones froides, en mangeant moins, ça va réduire, bien entendu, votre métabolisme. Ici, dans ce cas-ci, donc, le glycérol, il va être émis au niveau du foie, dans le sang de l'animal, quand les conditions vont dire plus froides. Vous avez un animal qui peut congeler, avoir un métabolisme qui descend quasiment à zéro. Et puis, dès qu'il va décongeler, le cœur se remet à battre et les cellules ne seront pas impactées, l'ADN ne sera pas impacté grâce à ce glycérol. Et parfois, certains poissons ont même mis en place certaines protéines bien particulières qui vont préserver l'ADN pendant cette zone de congélation et qui vont pour être certains que l'ADN ne se dégrade pas pendant cette zone plus froide. Voilà. Donc, il y a bien des organismes qui sont capables de geler complètement. Alors, on va changer de sujet maintenant. On va partir sur une autre thématique de film, plutôt thématique de dessin animé. Vous avez ici le monde de Dory ou le monde de Nemo. Vous avez votre Dory ici qui peut parler baleine, hein, qui peut communiquer avec les baleines. Et on en vient à ce mythe du monde du silence. Si vous avez regardé les documentaires de Cousteau, Cousteau a vraiment fait un travail incroyable au niveau de la vulgarisation scientifique, de la découverte de nos mondes sous-marins. Et beaucoup de biologistes marins, je pense, doivent leur carrière grâce à Cousteau.
On considérait vraiment que c'était le monde du silence. Quand vous plongez, en général, on n'entend rien. Alors, c'est vrai que notre système auditif à nous n'est pas très efficace sous l'eau. Par contre, une fois qu'on a développé des hydrophones, donc des microphones qui fonctionnent sous l'eau, on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal d'organismes qui étaient capables de produire des sons sous l'eau. Je vous ai compilé ici des bruits de certains poissons que vous connaissez tous. Et je vous montre ici, par exemple, je vous laisse le son pour que vous puissiez bien entendre. Donc, vous avez ici les poissons Nemo, par exemple. Je vous montre un hippocampe. Un poisson diodon et une langouste dans ce cas-ci. C'est-à-dire, OK, comment ces animaux font pour produire de tels sons? Alors, ce n'est pas toujours des sons qui sont audibles pour l'homme, bien entendu, comme vous pouvez l'imaginer. Donc, certains sons ne sont pas dans la gamme audible, ils ne sont pas entre 20 Hz et 20 kHz. Ils sont soit au-dessus, soit en dessous, donc soit des ultrasons, soit des infrasons. Mais on a pu les transformer en longueur d'onde audible pour l'homme. En fait, les organismes sont capables d'émettre des sons de diverses manières. Chez les poissons, particulièrement, il y a une vessie qui s'appelle la vessie natatoire qui se présente dans le dos de l'animal. Il permet à l'animal, en fait, de se gonfler de gaz pour lui permettre en fait, de garder une certaine profondeur, de ne pas devoir trop lutter pour nager dans la masse d'eau en fonction de s'il veut remonter en surface ou diminuer, descendre dans les profondeurs. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va gonfler ou dégonfler cette vessie natatoire. Et certains de ces poissons vont développer des muscles particuliers qui vont être associés à des petits os qui vont venir taper sur cette vessie natatoire pour produire des sons. Et donc, on faisait des petits cliquetis comme ça. C'est typiquement des sons que vous pouvez avoir grâce à ces petits cliquetis. Ah, attendez, est-ce que si j'augmente le son, ça change quelque chose? Je ne sais pas si vous. Ok, bon, écoutez, en espérant que sur YouTube vous entendez, sinon j'en suis désolé en tout cas. Ok, bon, bah désolé, je vous. Ok, bah donc c'est qu'il y a probablement un bug dans la diffusion du son ici. Désolé en tout cas. Mais ces petits poissons font un petit bruit de style cliquetis en fait. Donc vous avez les petits poissons Nemo, ils font un petit clic, 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 clic. Et puis vous avez vos poissons ici qui vont plutôt faire un poum, 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 des bruits de battement. Votre poisson qui est ici en bas à gauche va plutôt faire des bruits de style grenouille, c'est un peu particulier. Et puis vos crustacés, vos langoustes vont être capables de faire un bruit plutôt d'articulations qui roulent les unes contre les autres. Donc ces bruits sont dus à la vessie natatoire. Vous avez aussi d'autres poissons qui sont capables de faire des bruits en pétant ou en rotant, là, littéralement. Donc ils sont capables, en fait, grâce au gaz, de fermentation, de ce qu'ils mangent, en fait, de lâcher des bulles au niveau anus, au niveau de la cavité buccale, pour produire des bruits et qui ont un rôle dans la communication, notamment les harengs, par exemple. Et c'est un système qui a été mis en évidence lorsque l'armée suédoise essayait de mettre en évidence des communications sous l'eau. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'il y avait plein de bruits de fond. Ils ne savaient pas trop d'où ça venait. Il y avait justement un banc de harengs qui était en face. Et en fait, c'était un bruit de fond qui était dû à des pets de harengs. En fait. Donc, les pets de harengs qui empêchaient les communications militaires dans les pays scandinaves. Alors, du coup, je ne vais pas vous faire entendre les sons ici parce que vous n'allez pas entendre grand-chose. Mais on a deux types de sons différents au niveau des baleines. Vous avez les baleines qu'on appelle les baleines mysticètes qui ont des fanons, qui font vraiment les chants de baleines que vous connaissez déjà tous. Et puis vous avez les baleines qu'on va dire odontocètes qui n'ont pas des fanons mais qui ont des dents, qui vont plutôt elles faire des cliquetis. Alors au niveau baleines mysticètes, baleines à fanons, elles vont chanter un peu comme nous. C'est-à-dire qu'il y a un larynx, il n'y a pas de corde vocale, mais il y a un larynx qui existe. Et au niveau de ce larynx, la seule différence qu'il y a par rapport à nous, c'est que ces organismes n'ont pas besoin d'expulser de l'air, ils ne sont pas obligés d'expirer pour pouvoir parler. Ils sont capables en fait, de garder leur inspiration et de pouvoir faire passer l'air de haut en bas par le larynx en effectuant du bruit non-stop. Quand vous y pensez bien, pour un organisme qui est en apnée, la majorité du temps, ça a tout à fait son sens. C'est une belle adaptation justement à la production de son qui lui permet même de communiquer sur des centaines de kilomètres, voire des milliers de kilomètres de distance.
Si vous partez sur vos baleines odontocètes à dents, du type cachalot, sinon scassie par exemple, vous allez avoir un système qui est complètement différent, qui est dû à des lèvres phoniques. Donc si vous partez du fanon, qui est au sommet de l'animal, vous descendez, il y a deux petites lèvres qui sont présentes là, parfois deux, parfois quatre, en fonction de l'animal que vous allez prendre en considération, qui vont pouvoir vibrer les unes contre les autres et produire une variété de sons qui est complètement incroyable, qui part, je pense, de quelques hertz jusqu'à plus de 150 kHz. Donc c'est vraiment gigantesque la gamme de sons qu'on va offrir. Certains de ces cliquetis donc sont audibles pour l'homme, et il y en a plein qui sont complètement inaudibles pour l'humain, et qui vont lui permettre de communiquer, mais aussi d'avoir un rôle de sonar. Donc typiquement, ce qu'ont les odontocètes la majorité du temps, c'est ce qu'on appelle un petit bulbe au bout de la tête, au-dessus du museau, il y a une sorte de boule comme ça, qu'on va appeler le melon. Et ce melon contient notamment, c'est de la graisse en fait, qu'on appelait justement le spermaceti. Dans le melon des cachalots, dont on servait avant, quand il y avait la chasse des cachalots pour faire les premières lampes à huile. Et en fait, ce melon, il permet de focaliser les ultrasons, les infrasons qui sont produits par ces lèvres phoniques. Et en fait, en focalisant, ça lui permet de faire un screening de son environnement qui l'entoure, et ça lui permet notamment de faire de la chasse. Quand vous pensez qu'un cachalot est capable de descendre à plusieurs milliers de mètres de profondeur pour aller chasser notamment des calamars géants, par exemple, en fait, il n'y a aucune lumière. Et donc, il se sert de son sonar, il se sert de son melon pour synchroniser, pour focaliser les ondes et pouvoir voir ce qui l'entoure, les ultrasons. Donc, les ultrasons vont rebondir sur les proies, vont revenir au niveau de son melon qui va analyser l'information et lui dire, OK, où est la nourriture, où se trouvent les proies, tant qu'on reste dans le monde de Dory, vous avez ce bon vieux Hank qui est un poulpe, qui est vraiment complètement capable de changer de forme dans tous les sens et de non seulement de s'adapter à la forme, au niveau de la couleur aussi. Et dans un des derniers Jurassic Park, vous aviez un T-Rex, je ne sais plus si c'est exactement un T-Rex, en tout cas un grand carnassier que vous voyez ici en bas à droite, qui a priori avait été mis, je me souviens plus exactement de l'histoire, mais si je me souviens bien, c'est une sorte de mutation parce qu'on lui avait donné des gènes, je sais plus si c'était des gènes qui étaient faits pour compléter son ADN, mais en tout cas des gènes de céphalopode. Et du coup, ça lui permettait de se camoufler. Donc, ça devient un peu plus fantaisiste. Ils sont partis un peu en live. À la fin du autant les premiers Jurassic Park étaient assez sympas au niveau scientifique, parce qu'ils essayaient quand même bien de montrer certaines théories actuelles. Tant sur les derniers, c'est devenu un peu plus foufou au niveau scénaristique et au niveau biologique. En tout cas, un truc où je suis sûr que vous savez déjà tous maintenant, mais la vision actuelle qu'on a des dinosaures maintenant, la majorité des dinosaures avaient probablement des plumes. En tout cas, les dinosaures de type raptor, par exemple, type vélociraptor, on a retrouvé pas mal de fossiles qui avaient des plumes. Et dites-vous bien que maintenant, en fait, les dinosaures ne sont plus considérés que dans le groupe des reptiles, qui n'existe plus d'ailleurs en biologie, mais dans le groupe des oiseaux, dans le groupe des archosauriens, des oiseaux, des crocodiles, et qui font en fait qu'on est maintenant certain que nos dinosaures sont des organismes homéotermes, à sang chaud, comme notre bon vieux Godzilla. Et c'est une petite parenthèse. Pour montrer justement est-ce que ce camouflage existe vraiment chez les céphalopodes, on va aller voir chez un vrai ankh. Vous voyez ici, vous avez une algue. Okay. On a vraiment l'impression qu'il n'y a qu'une algue, mais en réalité, vous allez voir qu'il y a un petit céphalopode qui se cache. On ne le voit toujours pas très bien là. Moi, j'ai vu la vidéo pas mal de fois, je le vois. Et vous voyez qu'hop, vous avez un poulpe qui redevient blanc tout d'un coup. Vous voyez que tout d'un coup, boum, il redevient noir. Il éjecte un nuage d'encre et puis il peut s'échapper. Alors, ces organismes ont à la surface de leur peau ce qu'on appelle des cténophores, qui vont vraiment avoir directement un rôle de production de pigments. Donc, si vous venez zoomer au niveau du tégument de ces organismes-là, vous avez plein de petites vacuoles cellulaires, donc plein de petits réservoirs de pigments. Et ces réservoirs de pigments vont être associés à des muscles. Et quand ces muscles vont se relâcher, la vésicule va s'agrandir et donc on va avoir plus le pigment qui continue dans cette vésicule. Donc dans certaines vésicules, vous avez un pigment vert, un pigment noir, un pigment jaune. Et en fonction du background sur lequel il doit se camoufler, c'est l'un ou l'autre qui va s'élargir, l'autre qui va se contracter, et donc qui va permettre à votre organisme d'avoir une couleur bien spécifique. Non seulement elle a une couleur bien spécifique, mais si vous regardez bien, il n'y a pas que la couleur. Il y a aussi tous les muscles qui sont à la surface de la peau qui nous permettent de changer de texture également, pour vraiment bien permettre de se confondre dans son environnement. Ouais, c'est assez incroyable, je veux dire, comme camouflage actif, quoi. C'est assez impressionnant. On passe sur
sur un autre type de film. On reste sur des dessins animés, plutôt de type manga ici. Vous connaissez tous probablement Dragon Ball Z, avec le fameux Kamehameha qui permet d'envoyer donc une attaque à distance. On peut se demander si les animaux sont capables de faire des types de Kamehameha. Là, je vais vous parler d'un organisme dont je vous ai déjà parlé lors de la précédente conférence. C'est une crevette qu'on appelle la crevette pistolet, qui est une crevette sur laquelle j'ai travaillé pendant ma thèse de doctorat. Et vous voyez, cette crevette, elle est complètement particulière parce qu'elle a une énorme pince par rapport à l'autre. Donc là, c'est une des deux pinces, et l'autre pince, en fait, elle est juste là, par transparence, on la voit. Vous voyez, donc une pince qui est gigantesque par rapport à l'autre. On l'appelle crevette pistolet, car cette crevette est capable justement d'utiliser cette énorme pince comme un pistolet. Elle va être capable en fait de garder une grande cavité dans cette pince, et il y a l'autre partie en fait de la pince qui vient se refermer, et en se refermant en fait il y a une sorte de petite excroissance qui vient rentrer dans la cavité de l'autre pince et qui permet d'envoyer un blast qui envoie directement une onde de choc à distance qui permet de chasser. Vous voyez votre crevette pistolet, elle est là cachée sous un petit support. Et elle a vu une autre crevette. Donc elle va se nourrir, c'est donc ça la proie ici. Dans ce cas-ci, ce n'est pas une crevette pistolet, celle-ci. Et vous voyez votre crevette pistolet, elle est ici cachée. Et ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va accumuler une petite partie d'eau dans sa cavité, et qu'elle va ouvrir sa pince. Dès que la proie arrive à proximité, hop, là, elle vient d'accumuler l'eau. Et en fait, elle bloque un muscle qui peut se relâcher très directement. Donc, vous avez un tendon très puissant associé à cette pince. Et donc, elle se referme très rapidement et envoie une onde de choc qui a la même accélération qu'un calibre 22, donc une balle de fusil. Alors, vous voyez ici, je vous fais une petite pause sur la pince. C'est impressionnant. Donc, vous voyez l'excroissance qui est sur une des deux parties de la pince. Vous voyez la cavité qui est dans l'autre partie de la pince ici. Vous voyez que quand cette partie-là rentre dans cette partie-là, vous allez avoir une onde de choc. Pouh! Qui est émise directement comme si c'était un pistolet. Alors, regardez bien ici, je vais vous remettre le player, vous allez voir qu'il y a une onde de choc qui est émise. Non seulement il y a une onde de choc, mais il y a aussi un éclair lumineux qui apparaît. Parce qu'en une fraction de seconde, vous avez le petit éclair là, hop, vous avez vu le petit éclair qu'on a apparu ici, parce que la température de l'eau monte en une fraction de seconde à plusieurs milliers de degrés, oui. Et il y a un petit stimulus de photon qui sort à ce moment-là, donc il y a un petit choc lumineux qui apparaît. Donc il y a bien des organismes qui sont donc capables de faire une attaque à distance, pas un vrai Kamehameha, mais quand même, quoi. Ils sont capables d'avoir une onde de choc pour chasser d'autres crevettes, donc soit pour tuer directement, vous pouvez être tué par une onde de choc, soit pour les endormir, en tout cas les perturber, pour les attraper pour pouvoir s'en nourrir. Alors on part sur un autre film, on part dans un film que vous avez probablement tous vu, là, le film Avatar. On est sur la planète Pandora ici. Et dans cette planète Pandora, il y en a un écosystème tout à fait particulier qui est vraiment largement inspiré en fait des écosystèmes abyssaux en milieu marin. Vous avez beaucoup d'organismes qui sont bioluminescents. Autant la bioluminescence, au début, quand elle a été découverte, on pensait vraiment que c'était l'apanage de certains organismes bien particuliers. Et puis, on s'est rendu compte que ça fait vraiment légion dans les abysses où souvent on n'a pas beaucoup de lumière, là, il n'y a pas beaucoup de photons qui se baladent là. Donc le fait de pouvoir émettre de la lumière, c'est très vite un avantage quand on est dans un endroit où il n'y a pas de lumière, soit pour communiquer avec un autre organisme, soit pour faire peur à un autre organisme. Je vais vous montrer quelques exemples justement particuliers de bioluminescence. Alors quand vous baladez dans les fonds marins, il n'y a pas spécialement besoin de descendre dans les abysses. Si vous avez la chance de partir en zone tropicale ou en tout cas en mer plus chaude au moment typiquement de l'été, vous allez avoir ce qu'on appelle des blooms algaires, pardon, donc des concentrations d'algues qui vont augmenter en pic pendant la saison chaude avec la température de l'eau qui monte. Et certaines de ces algues peuvent être bioluminescentes. Alors pour ça, vous devez voir, bien entendu, aller voir ça la nuit, la journée, ça ne se verra pas. Il faut aller absolument dans une nuit qui est très noire, parce que la bioluminescence, ça paraît flashy comme ça, mais ça n'émet pas énormément de lumière. Et pour vous donner un peu une idée, une petite anecdote, on était en mission en Jamaïque en train de collecter des concombres de mer et des crinoïdes, qui sont des organismes marins sur lesquels on devait faire des tests comportementaux. Et bien entendu, là, on plonge avec des lampes pour pouvoir repérer les organismes. Je sais qu'à un moment, on éteint nos lampes en sortie de plongée, en fin de plongée. Et en bougeant dans l'eau, on s'est vite rendu compte que waouh, tout l'univers qui était autour de l'eau, toute l'eau qui était autour de nous était en fait bioluminescente. Alors en fait, ces organismes qui sont bioluminescents ne vont pas émettre de la bioluminescence
de manière constante. C'est un truc qu'on me demande souvent dans certains musées qui voudraient mettre en place, par exemple, des expositions autour de la bioluminescence et qui voudraient avoir des organismes qui flashent de la lumière non-stop. En fait, c'est pas possible parce que l'effet d'émettre de la lumière, vous vous dites bien que ça demande de l'énergie, ça demande ce qu'on appelle de l'ATP, donc ça demande de l'énergie cellulaire pour pouvoir produire de la lumière. En fait, le fait de produire de la lumière, c'est une interaction entre une enzyme spécifique qu'on appelle la luciférine et enfin l'enzyme, c'est la luciférase, pardon, qui vient interagir avec une protéine qu'on appelle la luciférine. Et c'est l'interaction entre la luciférase et la luciférine qui va produire un photon et qui donc, va permettre cette bioluminescence. Alors vous voyez qu'en fait, les algues qui font cette lumière-là sont appelées des algues qu'on appelle Noctiluca, pardon. Et ces algues Noctiluca vont donc émettre de la lumière qu'on leur émet un stress. Et donc ici, c'est les vagues qui les font briller. Donc si vous vous mettez dans une eau comme ça et que vous ne bougez pas, vous ne verrez pas la bioluminescence. Il faut qu'on vraiment bouger pour stresser les algues et ces algues émettent de la lumière. Vous voyez, c'est assez joli à voir. Et c'est une bioluminescence qui peut être soit plutôt dans le bleu, soit plutôt dans le vert. Alors, cette bioluminescence, elle a plein de fonctions différentes. Bien entendu, comme vous vous en doutez, ça peut être un rôle pour effrayer un prédateur. Là, vous avez cet exemple ici à droite, avec des petits crustacés ici, des petites crevettes, qui vous voyez, elles sont toutes petites. On voit à peine des petits points là, qui se baladent dans l'aquarium. Et vous avez ici un poisson prédateur. Et ce poisson prédateur vient attraper une de ces crevettes, et au moment où il l'attrape dans sa cavité buccale, en fait, vous voyez que cette crevette, elle va émettre un panache de bioluminescence. En fait, elle vient produire des molécules chimiques qui vont être bioluminescentes. Et en faisant ça, elle va effrayer le poisson. En fait, le poisson voit cette lumière qui apparaît, donc va cracher directement le poisson pour la crevette, pardon. Parce que ça lui fait peur finalement. Donc c'est un bon système de défense dans ce cas-ci. Ça peut être aussi un système d'attraction du partenaire sexuel. Qu'on voit ici, il y a l'exemple d'une luciole ici. Et cette luciole qui émet un peu dans le vert, disons, vous avez une bioluminescence plutôt bleutée, là, plutôt verte. La femelle ici va émettre cette lumière-là pour attirer un partenaire sexuel. Et donc elle va briller à une certaine cadence pour attirer le mâle de son espèce. Comme vous vous en doutez, il y a plusieurs espèces de lucioles qui existent. Et ce qui se passe, c'est que certaines lucioles vont changer leur pattern de brillance, elles ne vont pas briller à la même vitesse, pour essayer justement d'attirer le mâle d'une autre espèce. Donc en fait, chaque espèce a son propre battement particulier de lumière pour attirer les mâles de sa propre espèce avec lesquels elle peut s'accoupler. Et bien, certaines femelles vont produire la lumière qui va attirer une autre espèce de mâle, non pas pour pouvoir s'accoupler avec lui, mais pour pouvoir s'en nourrir. Et donc dans ce cas-ci, c'est un bon système de chasse. Et vous avez même certains systèmes de bioluminescence qui se font avec du camouflage, qui mettent de la lumière pour se camoufler, pour pas qu'on les voie en fait depuis le fond. Nos organismes qui nagent en pleine eau, par rapport à des organismes du fond, quand ils regardent vers le haut, ils voient la surface de l'océan, même dans les abysses, on voit la lumière qui est en surface. Donc c'est vrai, un organisme qui passe au-dessus de vous, on voit son ombre. Donc pour éviter de voir l'ombre, ces organismes vont se camoufler en émettant une très faible bioluminescence qui va avoir la même intensité que l'intensité de la lumière à la surface de l'océan, par exemple. Je vais vous partir sur d'autres exemples de films. On va partir un peu sur des exemples au niveau de l'humain. Il y a pas mal de films de vampires qui existent. Certains, vous avez déjà tous vu des films de vampires, que ce soit des films plutôt horreur ou des films plutôt fun autour des vampires. On va se demander, ok, tiens, ok, les vampires, a priori, ça n'existe pas, mais est-ce qu'il n'y a pas une origine biologique à l'émergence du mythe des vampires? Figurez-vous qu'il y a une maladie qui est tout à fait particulière, qu'on appelle la porphyrie. Alors, cette maladie, la porphyrie, elle a un impact direct sur l'hème qui est dans l'hémoglobine. Comme vous le savez, l'hémoglobine, c'est le pigment qui fait que vos globules rouges sont rouges. Et c'est dû justement à de l'oxyde de fer justement qui est rouge. Et je vous avais parlé des limules avec le sang bleu. Les limules, au lieu d'avoir de l'oxyde de fer, elles ont de l'oxyde de cuivre. C'est pour ça qu'elles ont un sang bleu, mais qui est quand même capable de capter de l'oxygène. Donc, ça leur permet de respirer. Ici, dans ce cas-ci, l'hème qui est ici, à cause d'une malformation génétique, va être mal formé en fait. Et en étant mal formé, il va donner naissance à des globules rouges qui sont qui pas capables de garder leur attraction au fer, et un taux de globules rouges qui va chuter dans le sang, qui va être très faible. Donc des organismes, les gens qui sont atteints de cette maladie vont être complètement anémiques, souffrir d'anémie grave. Et figurez-vous que cette anémie, en fait, pour pouvoir lutter contre ça, il n'y a pas vraiment de solution, si ce n'est que vous devez vous faire une perfusion de sang.
Donc, soit vous faites une perfusion de sang, et on raconte que les riches familles qui avaient ça dans le temps ben, ne se faisaient pas de perfusion de sang, de sang pardon, mais buvaient du sang frais pour pouvoir récupérer un certain stock de globules rouges normaux, un certain stock d'hème et donc de fer dans leur sang normaux. Et a priori, comme c'est une maladie génétique, c'est dans certaines familles qui étaient connues en Europe de l'Est qui avaient cette problématique-là. Et non seulement, donc, a priori, des gens qui buvaient du sang, mais en plus, au niveau phénotypique, au niveau caractère de cette maladie, vous avez, comme vous ne pouvez pas produire des globules rouges normaux, pas beaucoup de globules rouges, figurez-vous que vous ne pouvez pas non plus produire une mélanine qui est efficace, parce que la mélanine dérive directement de la dégradation de nos globules rouges au niveau de notre rate. Et donc, ces gens-là ne peuvent pas sortir au soleil. Alors, non seulement ils ne peuvent pas sortir au soleil, mais ils ne peuvent même pas sortir quand il y a des nuages. Ils ne peuvent pas du tout sortir le jour, parce que même les ultraviolets qui passent au travers des nuages suffisent à leur donner des brûlures, à leur donner des cloques carrément qui poussent au niveau de leur peau. Ça donne aussi donc des gens qui ne sortent pas, qui ne sortent que la nuit, qui ne sortent pas la journée, qui sont vraiment répulsés complètement par le très photosensible à la lumière du soleil, qui ont une vitesse des cheveux qui poussent de manière anormale et qui ont des gencives qui vont se rétracter. Donc, vous avez une rétraction des gencives autour des dents. Et donc, les dents paraissent plus grandes, en fait, plus pointues. Et couronne, pour apporter vraiment la cerise sur le gâteau, ces gens-là étaient également allergiques à l'aïcine, qui est une protéine qui est présente dans l'ail. Donc, on a quand même un beau petit package qui pourrait être finalement à l'origine des vampires. Donc, c'était publié dans certaines études, dans certaines recherches. Alors après, ça a été un peu décrié, mais il y a quand même pas mal de scientifiques qui y croient. En tout cas, on pourrait imaginer qu'il y a quand même pas mal de caractères en commun avec les vampires. Et vous parlez un peu d'autre chose, parler un peu des zombies et faire un peu un parallèle avec notre crise du coronavirus, là. Donc, bien entendu, le coronavirus ne va pas avoir d'impact directement sur nos comportements, en tout cas pas qu'on sache actuellement, même s'il peut avoir des effets secondaires assez indésirables, comme les pertes de goût et d'odorat. Vous avez comme certains virus qui peuvent avoir un impact sur le comportement des gens. Et le seul exemple que j'ai en tête, en tout cas, c'est le virus de la rage. Alors, le virus de la rage, qui est un des rares virus qui est quasiment létal à 100%. Donc, pour en avoir déjà discuté avec un médecin, il m'avait dit qu'en fait, c'est un des cas connus, parce il y a a priori une seule personne qui est connue pour avoir résisté un jour de la rage. Elle s'en est pas sortie très bien. Je veux dire, elle a survécu, mais pas au tip top de sa forme, quoi, en tout cas. Donc, figurez-vous, quand vous êtes atteint du virus de la rage, une des dernières formes que vous allez avoir, c'est le fait d'avoir peur de l'eau, ce qu'on appelle de l'hydrophobie. Vous avez peur de l'eau, et en fait, la majorité des gens qui meurent de la rage ne meurent pas directement de l'effet du virus, mais meurent de déshydratation, parce qu'ils ne boivent pas pendant plusieurs jours. En attendant, ils ont bien entendu des crises de fièvre, etc. Donc, si vous mettez de la fièvre, que vous assimilez ça à des diarrhées et à la peur de l'eau, vous mourrez très rapidement de déshydratation, comme vous pouvez vous en douter. Et aussi, un autre comportement qui est celui de vouloir mordre. Alors qu'il y a un truc qui était observé aussi chez des humains d'ailleurs. Donc, quand vous êtes en phase finale de rage, vous avez envie de mordre les gens, qui est en fait associé au caractère de transmission du virus. Là, c'est vraiment un virus qui se transmet par la morsure, par la salive, justement. C'est assez particulier. Alors, si on se balade dans le reste du monde animal, on se retrouve avec d'autres parasites, tiens, qui sont capables de modifier le comportement de leur hôte. Et si je vous racontais une autre petite anecdote qui m'était arrivée quand j'étais en mission à Madagascar, je fais un peu rêver là, je vous dis que je pars en mission un peu partout dans le monde, mais on a une station de biologie marine à Madagascar, au laboratoire de biologie marine de Mons. Et dans cette station de biologie marine, on avait un été, je me souviens, en week-end, on s'était mis au bord d'une piscine, et il y avait un grillon, un criquet, qui n'arrêtait pas de sauter dans l'eau, en fait. Et vous savez, en tant que bon biologiste, vous voyez un animal qui saute dans l'eau, ben, vous le récupérez, vous le remettez sur le bord de la piscine pour qu'il puisse survivre. Hop, 2 minutes après, hop, il ressaute dans l'eau. Ok, alors, deuxième fois, vous le remettez sur le bord de la piscine. Troisième fois, il ressaute dans l'eau. Ok, tant pis pour toi, j'ai déjà tout fait, quoi. Et puis, après quelques minutes, c'est assez incroyable, j'ai vu un ver sortir par l'anus de l'insecte, qui sort par ici. Et ce ver était gigantesque, bien plus grand que la taille du grillon, en fait. Et ce ver, je l'ai reconnu directement. C'est un ver qui groupe des nématodes, qui peut donner pas mal de parasites chez les mammifères, même chez l'humain d'ailleurs. Et ici, vous avez un nématode qu'on appelle le nématomorphe.
Et ces vers-là sont en fait tout à fait particuliers, des animaux qui sont aussi qui sont parasites et qui sont plusieurs hôtes ou un hôte. Ici, il y a un hôte. Et en fait, pendant une partie de son cycle de vie, ce ver va être sous forme larvaire, il va se trouver dans l'eau, il va être transmis au niveau de vos grillons, que vos grillons vont aller boire de l'eau, tout simplement. En fait. Les grillons vont aller boire de l'eau, ils vont récupérer des larves de ce ver qui vont se développer dans le corps. Alors, ils ne vont pas se développer n'importe comment. Donc, dites-vous bien qu'en général, un symbiote va essayer de maintenir son hôte vivant pendant la plus longue partie du temps, en tout cas jusqu'à ce qu'il soit capable de passer à un stade suffisant. Donc, je vous repars sur l'exemple des aliens. L'œuf d'alien, en tout cas le résultat de l'ovipositeur du facehugger, va vous donner un œuf à l'intérieur de vous et qui va grandir, une sorte de larve qui va grandir en vous et ne va sortir, ne va vous tuer que quand elle a la capacité de sortir et de pouvoir évoluer en phase adulte par la suite. C'est exactement le même cas ici. Vous avez une larve qui va se nourrir de l'insecte, mais qui ne va pas tout manger. Elle va commencer par manger les gonades, en disant, bah, tiens, les gonades ne sont pas nécessaires à la survie et au déplacement de l'animal, par exemple. Puis elle va manger le tube digestif de l'animal. Elle va manger certains muscles de l'animal, mais pas tous les muscles. En gros, votre ver, il va manger plus ou moins tout l'insecte de l'intérieur, mais en essayant de ne pas le tuer. Parce que si l'animal meurt à cet endroit-là, votre larve ne va pas savoir survivre. En fait, votre larve va venir pirater le système comportemental de votre criquet. Elle va forcer le criquet à aller se suicider dans l'eau. Donc, elle va forcer le criquet, en fait, à foncer directement dans l'eau. Avoir le premier point d'eau qu'elle voit, de se jeter dans l'eau. Et après plusieurs minutes, votre ver, là, qui peut survivre en conditions aquatiques, va sortir de l'animal et va pouvoir se reproduire avec d'autres nématomorphes et puis pouvoir poursuivre, pouvoir pondre des œufs, par exemple. Ces œufs vont pouvoir partir sous forme larvaire au niveau d'un adulte et le cycle continue comme ça avec d'autres problèmes. Vous avez une modification comportementale, comme un peu ce que pourrait faire un virus sur un zombie, par exemple, pourrait nous faire. Alors, des nématomorphes, il y en a plusieurs espèces et il y a même d'autres, il y a même des champignons qui sont capables d'avoir un impact au niveau modification comportementale chez les fourmis, par exemple, c'est assez fou aussi à voir au niveau biologie. Le dernier petit exemple que je vais vous montrer ce soir, c'est un autre nématomorphe qui est lui beaucoup plus petit que les grands nématomorphes que vous avez vus avant, qui va venir au niveau d'un escargot. Donc ici, vous avez vos escargots, vos mollusques, qui vont se nourrir de plantes et qui vont particulièrement se nourrir de tout ce qui est zone où il y a beaucoup de nutriments. Et dans les zones où il y a beaucoup de nutriments, notamment les guano d'oiseaux, dans lequel on va retrouver justement parfois certaines larves de parasites, de nématomorphes. Alors, votre escargot va se nourrir du guano de l'oiseau sans savoir qu'il est en train d'assimiler des larves. Ces larves de parasites vont se développer dans l'escargot et vont migrer au niveau des tentacules de l'escargot. Les tentacules sont beaucoup plus petits, vont devenir beaucoup plus gros, ils vont vraiment prendre 10 fois leur taille, et ça va dire, vont induire la production de pigments. Donc normalement, les tentacules et les zones n'ont pas du tout ces couleurs-là, ils n'ont aucun sens d'avoir ces couleurs-là qui sont produites. On va stimuler la production de pigments par l'escargot, et va permettre en fait à votre prédateur, à votre parasite, non seulement de changer de stade tant qu'il est escargot, donc de se nourrir de l'escargot, de pouvoir grandir, être prêt à passer au stade suivant. Sauf qu'ici, on a un prédateur qui a besoin de deux hôtes différents. Donc, c'est un cycle parasitaire qui est dit digénique. Il y a besoin qu'il y ait deux hôtes différents. Et l'hôte suivant, figurez-vous que c'est l'oiseau. Et donc, ce qui se passe, c'est que non seulement en faisant ça, votre escargot, il va commencer à attirer l'attention, en fait. Mais votre pathogène ici, votre parasite, va forcer l'escargot à monter sur la cime des arbres ou au bout d'une branche et à être le plus visible possible des oiseaux, qui est un comportement qui ne se ferait jamais chez un escargot normal. Donc, votre escargot va être forcé par le parasite au niveau de son système nerveux à monter en haut d'un arbre, à aller au bout d'une branche. Et puis à venir briller avec ses petits tentacules, comme il le fait comme ça, ce qui va permettre en fait à des oiseaux de le repérer. Et puis les oiseaux vont venir se nourrir de l'escargot. Et là, vous allez avoir un autre stade qui va se développer dans l'oiseau, le stade adulte ici, donc comme l'hôte correspond, l'hôte définitif qui vient contenir le parasite adulte. Et les œufs du parasite vont là rester donc dans le tube digestif de l'oiseau, vont partir dans les fientes. Les fientes, quand vous avez un oiseau qui vole, bah, il y a les fientes qui tombent sur le sol, ça repart sur notre escargot et votre cycle parasitaire continue comme ça. En général, souvent on dit que les parasites sont un peu, ça paraît toujours un petit peu dégueulasse, mais souvent pour les biologistes, les parasites sont assez incroyables au niveau
niveau évolutif, à imaginer tous les patterns qui ont été mis en place pour expliquer une coévolution entre deux organismes comme ça, c'est assez prodigieux, c'est assez challenging à expliquer souvent en biologie, mais ça donne des super beaux exemples au niveau évolution d'organismes. Donc voilà, j'en termine là-dessus. Et donc, pour vous donner un petit take-home message là, sur la dernière slide, comme je vous parlais de biomimétisme, donc, qui est le fait de s'inspirer de la nature, pour la vie humaine finalement. Je refais un petit clin d'œil à Morgane Florian qui est venu vous parler d'accueillir la biodiversité dans vos jardins. Ben, dites-vous bien que le problème pour l'instant, c'est qu'on est en train de détruire notre biodiversité. Quand on détruit notre biodiversité, on ne fait pas finalement que détruire les animaux qui nous entourent. On détruit aussi notre source de savoir, on détruit notre créativité finalement en faisant ça. Donc ce petit take-home message que je vous remercie de votre attention. Je repasse la parole à Antoine que je remercie déjà pour l'assistance technique et pour me poser vos potentielles questions. Merci. Merci à toi Guillaume pour toutes ces informations puis ces images magnifiques par moments, un peu moins ragoûtantes à d'autres. C'est en train de défiler, donc tu as eu tout un défilé de Burke et compagnie sur le chat. Pendant ton morceau sur les parasites. Oups. Alors je vais. Je Petit vais... à ceux qui étaient en train de manger, désolé. Oui. Je vais reprendre les questions par ordre chronologique, ce sera plus simple. Quelqu'un qui demandait si la bouche de l'alien ne serait pas non plus inspirée d'une larve d'insecte d'eau douce qui peut projeter sa mâchoire en avant. Alors, c'est vrai que de manière générale, il y a beaucoup d'animaux qui sont capables de faire cette protrusion de la mâchoire, surtout en milieu aquatique, bien souvent, parce que le but, c'est de s'approcher de l'animal et puis en fait de créer une dépression en avançant sa mâchoire en avant. Et donc, le fait de pouvoir, souvent, il y a des arcs cartilagineux qui sont ici pour les vertébrés, mais dans les insectes, il y a ce genre de système aussi, qui va à la mâchoire de partir en avant, et en partant en avant, ça crée une dépression en fait, dans la cavité, et l'eau rentre d'un coup, et ça permet d'aspirer un animal. Mais pour avoir, j'ai vérifié mes sources au niveau article et au niveau scénographie, ils sont vraiment basés pour la modélisation du xénomorphe sur donc de l'adulte alien sur la murène justement. Donc là, il y a vraiment l'inspiration de la murène, mais c'est vrai qu'il y a d'autres organismes qui ont d'autres types d'adaptations pour se nourrir dans l'eau, en effet. Ok, donc ça répond partiellement à la deuxième question qui était que il semblerait que les créatures de Giger provenaient de ses rêves, etc. Donc il y a eu des informations qui ont été lâchées. Il s'est quand même inspiré d'animaux en particulier. Exactement. Donc au niveau de la murène et au niveau du petit amphipode que je vous ai montré après, là, le tonnelier, pour donner la forme de la tête, en tout cas, la forme de la tête de l'alien. Alors j'ai cherché un petit peu au niveau, quand on parle d'alien, j'ai cherché un peu au niveau du sang. Comme vous le savez, il y a ce sang acide là. J'ai pas retrouvé d'infos par rapport à ça. Donc a priori, il y a aucun organisme qui a vraiment du sang acide. Bon, certains organismes qui sont capables de produire quand même des productions acides. Vous pensez à votre estomac, là, on a de l'acide chlorhydrique qui est produit dans notre estomac, qui a un pH de 3, donc qui a un pH assez acide finalement. Vous avez certains organismes comme les opidions, par exemple, qui sont sur de petites, qu'on appelle les faucheux, des sortes d'araignées qui n'en sont pas réellement en réalité, qui sont capables de produire des gouttes d'acide pour se défendre. Elles viennent chercher avec leurs pattes, elles viennent les mettre sur des potentiels prédateurs ou des choses qui peuvent les menacer. Mais vous avez aussi des organismes qui sont capables de projeter du sang. Alors, les aliens ne sont pas capables de projeter du sang. Certains, parfois, je me souviens qu'ils tuent d'autres aliens pour utiliser le sang pour faire autre chose. Certains organismes sont capables de projeter du sang à distance. Et donc, il y a notamment un lézard qui s'appelle le crapaud cornu, mais qui n'est pas du tout un crapaud, je ne sais pas pourquoi on l'a appelé comme ça. Un lézard qui est capable d'éjecter du sang au niveau de son œil. Donc ici, il y a un petit canal, ici, une sorte de canal lacrymal, par lequel peuvent projeter du sang sous pression, ce qui en général va effrayer un prédateur. Et dans le sang, il n'y a pas un acide, mais il y a en tout cas un truc qui sent mauvais. Il y a une odeur répulsive qui va éloigner le prédateur. Mais bon, là, je diverge un petit peu, désolé. Oui, non, enfin, pas vraiment, hein. Alors, une question sur les geckos. Pourquoi est-ce que le pouvoir adhérent des pattes de gecko n'est pas diminué à la longue par de la poussière qui se colle dans les fibres adhérentes ? Ouais. Alors, en fait, il y a une sorte de système de turnover de ces fibres. En fait. Donc, en fait, ces fibres tombent rapidement, sont vite remplacées par d'autres fibres. Mais c'est aussi le frottement des fibres les unes par rapport aux autres
qui permet en fait de faire un turnover des particules qui sont à la surface des pattes du gecko. Et puis votre gecko, ben, il se nettoie les pattes tout simplement, quoi. Donc, je ne crois pas avoir déjà vu souvent un gecko sécher, parce qu'on avait en fait, on avait des geckos toqués. Donc ces geckos-là, on les avait justement au labo pendant un moment. D'ailleurs, si vous entendez un bruit de fond de grillon, là, c'est parce que justement, je suis au bureau et on a un gecko et on a un élevage de grillons pour nourrir les geckos. Donc, vous inquiétez pas si ça vous donne l'impression que je suis en Provence. Mais ces geckos donc, sont capables, en frottant, en ayant toutes ces petites cétules qui se frottent les unes contre les autres, de venir retirer les poussières ou de les frotter lui-même activement pour retirer les poussières. Mais je suis certain en effet que si vous faites marcher un gecko sur une surface vitrée poussiéreuse, il va y avoir en effet un moins grand pouvoir d'adhérence que sur une surface bien lisse et bien nette. Ouais. Alors, la question concernait les mammifères, mais j'imagine que enfin, ça peut toucher à d'autres animaux. Pourquoi est-ce que certains animaux auraient gardé a priori une possibilité de se cloner et que d'autres les aient perdus? Est-ce qu'il y a un avantage évolutif ou est-ce que c'est un coût par rapport à autre chose? Ouais. Donc c'est une bonne question. En réalité, tous les animaux que je vous ai montrés qui étaient capables de faire de la reproduction asexuée sont aussi en fait toujours capables de faire de la reproduction sexuée. Donc la différence, donc reproduction asexuée, le clonage. Imaginons un organisme. Ce qui est bien pratique avec le clonage, c'est que vous n'avez pas besoin de trouver un partenaire sexuel. Okay. Donc dans des mauvaises conditions, vous devez vous produire un maximum, autant se cloner finalement. Le gros problème avec une population de clones, c'est qu'elle va être beaucoup plus fragile par rapport aux variations de l'écosystème. C'est-à-dire que si vous considérez une population d'organismes vivants, chaque individu va varier par son propre ADN. Et donc, si on compare notre ADN à tous, et à tous ici qui regardaient la conférence, on a tous un ADN différent. Sauf si vous regardez la conférence avec un vrai jumeau. Donc, si vous avez un vrai jumeau, vous allez avoir exactement le même ADN. Quoique, même avec le temps, l'ADN peut se modifier aussi d'année en année, pas beaucoup, mais il peut varier un petit peu. Et en tout cas, la reproduction sexuée permet de faire varier le pool génétique, justement. C'est-à-dire que l'ADN que vous avez, ce n'est jamais que la moitié de l'ADN de votre papa, la moitié de l'ADN de votre maman, qui vont se mélanger. Et l'intérêt que ça a, en fait, c'est de combiner les résistances, donc de faire varier le pool génétique. Et donc, typiquement, ben, prenons un exemple ici, prenons le coronavirus, par exemple. Pourquoi certaines personnes vont être hyper impactés par le coronavirus et d'autres pas. Donc, bien entendu, il y a un impact au niveau de l'âge. Nous, on pense que certaines personnes avec certains types de gènes vont être plus sensibles au coronavirus et pas d'autres. Pourquoi certains symptômes apparaissent sur certaines personnes et pas d'autres? On pense que c'est directement lié justement au gène, à la résistance de gène. Donc, la reproduction asexuée est géniale si vous devez vous reproduire à une grande vitesse pour faire face à une disette ou un environnement extérieur qui est peu favorable. Par contre, en général, dès que vous en avez l'opportunité, la reproduction sexuée est souvent privilégiée parce qu'elle permet d'avoir plus de chances de disperser vos gènes, ce qui est finalement le but d'un organisme, c'est de se reproduire et d'avoir une descendance viable. Mais aussi, il y a aussi ce qu'on appelle une sélection au niveau des gènes. Je ne vais pas vraiment rentrer dans le détail ici. Mais en gros, un gène a tout intérêt à aussi perdurer dans l'organisme qui va suivre. Et du coup, la reproduction sexuée a tout son intérêt ici. Alors après, pourquoi on a perdu cette reproduction asexuée? Elle existe chez certains organismes vertébrés, hein, mais c'est vrai que chez le mammifère, je n'ai pas d'exemple en tête qui existe en tout cas. Mais il y a des exemples qu'on appelle la parthénogenèse, des animaux qui n'ont pas besoin de trouver un partenaire sexuel pour se reproduire. Il y a même certaines populations qui ne sont constituées que de femelles, par exemple, qui ont tout le bagage en fait pour pouvoir mener à des bébés, mais qui n'ont pas besoin de spermatozoïdes, qui gardent un ovocyte. Alors, il y a différentes possibilités aussi, mais qui va garder tout son ADN en fait, et donc qui va donner un clone. Donc certains vertébrés ont gardé ça. Après, il y a aussi tout ce qui a la complexité, c'est que de manière générale, quand vous regardez un organisme, plus il est complexe et plus il va être adapté à une situation bien particulière, bien sélectionné pour une situation bien particulière, mais moins résistant de manière générale pour résistance globale. Je pense que la complexité fait qu'à un moment, la reproduction asexuée n'est plus. C'est tout ce qui est aussi, vous voyez, les systèmes de réparation des gènes, tout ce qui est cellules pluripotentes. Pourquoi on ne garde pas un stock de cellules pluripotentes de type potente en tant que mammifère? C'est une question à laquelle je n'ai pas exactement de réponse en réalité, mais c'est vrai qu'on a perdu certaines capacités
à l'avantage d'autres capacités comme notre système d'apprentissage et notre complexité métabolique assez grande, par exemple. Ok, merci. Alors, au niveau de tous ces animaux capables de vivre éventuellement des milliers d'années, comme les bivalves dont tu parlais, etc., est-ce qu'ils continuent à grandir? Est-ce qu'ils peuvent atteindre des tailles impressionnantes? Ça dépend des animaux que vous allez prendre en considération. Typiquement, les corons noirs que je vous ai montrés là, ils peuvent vraiment devenir gigantesques. C'est vraiment des animaux qui peuvent. Donc on dit un corail, c'est bien un animal, donc c'est qu'il ne ressemblait pas à un truc très vivant, mais en fait, sur la surface, il y a un corail, il y a un squelette noir, il y a plein de petits polypes qui sont vivants, donc ça fait partie du groupe des coraux et des méduses. Et là, finalement, quand on y pense, ces animaux-là sont capables de grandir tant que les nutriments sont bons. Donc tant que les conditions sont bonnes dans l'écosystème et qu'il y a des nutriments en profusion, votre organisme va grandir. Alors après, ça dépend aussi de quel organisme on prend en considération. Un corail noir, typiquement, il va produire un squelette. Et donc, le squelette, qui est ici un squelette protéique ou un squelette de calcaire, on parle de coraux de manière générale, mais en fait, le squelette va lui permettre de grandir. Donc, il y a la masse tissulaire qui augmente, c'est surtout le squelette qui augmente. En fait. Et le squelette est inerte, donc le squelette ne demande pas à être nourri. Du coup, c'est plus facile de grandir quand c'est comme ça. Tant que les conditions sont bonnes, vous stockez des nutriments, vous produisez du squelette, ça vous permet de grandir, grandir, grandir. Si les conditions sont plus bonnes, c'est pas grave. Alors qu'un organisme qui ne dépend pas que de son squelette pour grandir, n'a vraiment que du tissu, est constitué exclusivement de tissu biologique et de peu de tissus minéraux, va essayer de ne pas grandir trop vite. Parce que si les conditions sont bonnes à un moment et qu'elles sont moins bonnes par la suite, ben, trop tard, si votre organisme est assez grand, il faut qu'il se nourrisse plus. Donc, il sera plus limité pour un organisme qui a moins de tissus minéraux. Mais oui, ils peuvent grandir, a priori, je veux dire à l'infini, mais ils peuvent grandir autant qu'ils veulent. Il y a ça aussi avec, vous regardez chez les végétaux, par exemple, pas en milieu terrestre, les végétaux. Là, il y a d'autres contraintes qui arrivent, bien entendu. C'est aussi la taille de l'arbre, la gravité qui ramène vos fibres, qui empêche à vos fibres de grandir. Bon, c'est que la lignine qui est contenue dans le bois, elle limite aussi. Et donc là, il y a une limite physique à la taille de végétaux, même qu'ils soient aussi vieux les uns que les autres, par exemple. Ok, merci. Alors, à propos des méduses immortelles, est-ce que vous avez donc là dans ton laboratoire enfin, ces méduses prétendument immortelles, est-ce que vous en avez en labo ici? Malheureusement pas. En fait, c'est assez compliqué de maintenir des méduses en aquarium. Ça demande pas mal de boulot et ça demande vraiment des aquariums bien particuliers. Alors, pour vous donner une idée, une méduse, c'est un des animaux les plus simples qu'on puisse imaginer, dans ce qu'il y a deux tissus embryonnaires différents. Très simple, un des premiers organismes qu'on voit quand on prend des études de biologie. Et malgré ça, c'est assez compliqué à reproduire, c'est assez compliqué à maintenir. C'est un organisme qui est très gélatineux, en fait, qui est fait à plus de 90%, 90-95% d'eau, et qui est en fait très fragile, qui a souvent des cycles de reproduction assez particuliers. Je crois on en est maintenant pour l'instant on ne maîtrise que 10 espèces qu'on sait reproduire et maintenir en aquarium, sur plusieurs milliers d'espèces de type méduse, en tout cas de coraux de type méduse. Qu'on appelle les cnidaires. Mais donc, malheureusement, on n'en a pas ici au laboratoire, mais on nous demande parfois, en tout cas, notre aide au niveau expertise dans certains musées qui veulent prendre en charge des méduses, et on les conscientise bien au fait que c'est pas un petit truc d'avoir des méduses dans un aquarium. Ça demande en fait d'avoir un aquarium qui est rond. Parce que dès que vous avez des aspérités à un aquarium carré, par exemple, dès que votre méduse va être emportée dans un coin, ben, son enveloppe gélatineuse va être cognée, en fait, votre méduse va mourir très rapidement. Et en fait, les méduses sont aussi des organismes planctoniques. Donc, souvent, quand on parle de plancton, on pense à des bestioles toutes petites. Et vous pouvez prendre une méduse de 3 mètres 3 mètres de large, ce sera aussi du plancton. Parce que la définition du plancton, ce n'est pas la taille, c'est le fait qu'un organisme ne soit pas capable de lutter contre le courant. Typiquement, une méduse, elle peut nager un peu de haut en bas, mais elle va vraiment être transportée par les courants marins. Et donc, vous allez avoir un aquarium qui est rond, avec un flux qui est bien particulier, un flux laminaire qui fait tourner les méduses tout doucement dans le système. Donc malheureusement, on n'en a pas ici. Si vous allez à Nausicaa, ils en ont. Si vous allez à Peridaïsa, ils en ont aussi. Mais nous, on est vraiment plutôt un labo historiquement basé sur les échinodermes, oursins, étoiles de mer, concombres de mer. On travaille aussi sur les coraux noirs et sur plein d'autres thématiques. Donc, on a déjà donné quelques-unes ici. Concernant la résistance aux radiations, on pose la question des rotifères.
Oui, les rotifères sont super résistants aussi. C'est aussi un groupe d'animaux qui a des capacités de résistance extrémophile qui sont assez impressionnantes, oui, en effet. Je sais pas si j'ai pas de chiffre en tête, donc je ne sais pas si c'est autant qu'à tardigrade, mais je sais que les rotifères sont vraiment connus pour ça. Et il y a notamment des études qui ont montré que les rotifères sont capables, par exemple, de récupérer l'ADN des proies dont ils se nourrissent pour faire leur propre ADN. Donc on s'est rendu compte que certains clades, donc certains groupes de rotifères bien particuliers, ont en fait un ADN qui est constitué que de bouts d'ADN de d'autres animaux. Donc ils n'ont plus d'ADN propre, en fait. Au fur et à mesure des générations, c'est que l'ADN de toutes les proies qui ont été incluses au niveau de leur corps. Donc c'est aussi des animaux qui ont d'autres capacités de résistance qui sont tout à fait particulières, en effet. Alors, outre le fait que les vertébrés, entre autres, ne sont pas capables ou rarement, non, pas du tout pour les vertébrés, capables de se reproduire par parthénogenèse ou autre, pourquoi est-ce qu'on vieillit? Pourquoi est-ce qu'on vit? C'est une bonne question, tiens. Je pense pas vraiment avoir de réponse directe à ça. Si c'est vrai, parce que a priori, vous pourriez disparaître. J'ai l'impression qu'il manque un. C'est peut-être une question plus philosophique, sinon ce cas-ci, quand même. J'essaie de réfléchir à une réponse purement biologique. On pourrait tout à fait imaginer un écosystème sans vieillissement d'organisme, où toutes les interactions, tout ce qui est compétition intra ou interspécifique, tout ce qui est prédation, tout ce qui est parasite, pathogène ou autre, ou mauvaise condition de l'écosystème, fait qu'une population soit renouvelée. Donc on pourrait imaginer que l'intérêt du vieillissement, ce soit que une population se renouvelle. Après, on peut se poser, ok, est-ce que c'est vraiment un intérêt qu'un renouvellement d'une population? On pourrait imaginer une population reste stable, tout à fait, super bien adaptée à son milieu, ce qui est le cas de certains organismes qui ont très peu évolué d'un point de vue caractère pendant même plusieurs millions d'années. Mais je crois que je n'ai pas vraiment de réponse, malheureusement, à cette question-là. Mais je suis certain qu'il doit y avoir plein de super supports entre la philosophie et la bio qui doivent exister. Et du coup, je crois que je vais aller fouiller ça juste après la conférence. Merci, du coup, de cette remarque. Avec plaisir, je serais tenté de faire moi-même un embryon de réponse, tu vas peut-être rebondir dessus. Est-ce qu'on peut imaginer que le vieillissement qui est lié au fait que bah, l'ADN s'abîme, la cellule se dégrade, etc., soit un état tout à fait normal et que c'est au contraire le fait d'avoir développé des systèmes de protection qui est une évolution assez importante? Oui, en effet, ça pourrait être une bonne explication. Oui, en effet, ça pourrait bien fonctionner. Maintenant, ce qui est assez marrant, c'est que ouais, tout ce qui est espérance de vie, par exemple, est très codifié. Alors, il l'est pas en même temps. C'est-à-dire que si vous prenez souvent les animaux petits, en tout cas chez les vertébrés, plus un animal est petit, plus il va avoir un rythme cardiaque élevé et moins son espérance de vie va être grande. Et en général, plus on prend un organisme qui est grand, qui est volumineux, plus son cœur va battre lentement et plus son espérance de vie va être longue, par exemple. Mais voir l'intérêt biologique du vieillissement qu'il y a derrière est difficilement explicable, en tout cas. Alors, tu as suscité énormément de réactions avec tes pets de harengs. Avec Et plaisir. donc, tu as deux questions hyper importantes. Comment les harengs font pour péter suffisamment pour communiquer? Donc, c'est la première. J'enchaîne avec la deuxième, attention. Tu nous as fait quelques imitations de bruits d'animaux marins. Est-ce que tu pourrais imiter le bruit du pet des harengs? Merci de la question. En réalité, malheureusement, je ne l'avais pas en vidéo, donc j'avoue que j'ai une vidéo que je n'ai pas encore vue, donc je ne pourrais pas le faire. Peut-être pas s'éloigner que ça de nous, à mon avis, mais ça va faire. Prochaine fois que vous prenez un bain et qu'il y a une envie qui vous vient, ben voilà, concentrez-vous spécifiquement sur ce son-là, ça doit être assez proche, à mon avis. Peut-être avec un moins grand volume, mais ça doit être plus ou moins proche de ce son-là, quoi. Alors, comment ils font? On pourrait se poser la question, se dire, OK, mais ils sont dans l'eau, il n'y a pas de gaz, comment ils font pour produire du gaz? Ben, ce n'est pas lié à l'air ou à l'oxygène qui passe dans leurs bronchies, c'est lié à la nourriture qui est ingérée, bien entendu. Donc, c'est lié aux proies qui vont ingérer, qui vont être dans leur tube digestif. Et le processus de digestion avec les bactéries de la flore intestinale
vont en fait se mettre à produire du gaz dès que vous mangez quelque chose. Donc en fait, les flatulences, c'est pas un... Okay, dans nos sociétés, c'est considéré comme être pas poli, c'est un signe d'impolitesse, mais en réalité, d'un point de vue biologique, c'est tout à fait normal de péter, entre guillemets, je veux dire. De manière naturelle, normalement, on ne devrait pas spécialement s'arrêter de péter, quoi. Je dis pas ça spécialement pour que tout le monde se mette à péter dans tous les sens, on est d'accord. Mais dites-vous bien qu'eux, ils sont limités aussi dans leur production de son. Et typiquement, au niveau hareng, par exemple, ça leur permet de donner un signe sur. Vous savez, je vous avais déjà expliqué ça lors d'une précédente conférence, comment les harengs sont capables de nager en banc, par exemple. Pour pouvoir, avec une sorte de ligne latérale de sensibilité au niveau du flanc du poisson, qui permet vraiment de détecter les différences de pression très rapidement. Si un poisson s'éloigne, la différence de pression va augmenter, donc le poisson va suivre. Mais l'épée, là, c'est plutôt vraiment au niveau communication, au niveau de la santé générale du banc de hareng. Et par exemple, si, ça va être caractéristique de certains moments de l'année. Donc au moment où il y a plus de reproduction, par exemple, il va y avoir. Plus de paix de hareng, par exemple. Je ne suis pas rentré vraiment dans le détail des études sur le paix de hareng, je vous rassure, du coup. Je ne sais pas s'il y a vraiment un lien par rapport à une parade nuptiale, etc. Je ne suis pas vraiment dans des délires fous. Mais voilà, donc c'est produit par le gaz de digestion et c'est un rôle de communication, du coup, entre ces poissons. Ok, alors j'enchaîne avec une question qui est posée sur le ton de l'humour, mais je suis certain que tu arriveras à en tirer quelque chose d'un point de vue biologique. Mon Dieu. Est-ce que les enfants peuvent être considérés comme des parasites qui, à distance, contrôlent leurs hôtes pour subvenir à leurs besoins? C'est une bonne question. En réalité, d'un point de vue biologique, un enfant est considéré comme un ennemi parasite lorsqu'il est sous forme embryonnaire, par exemple. Et donc, si vous prenez une femme enceinte, typiquement, les femmes enceintes sont considérées comme plus fragiles. Parce que tout simplement, quand elles ont un enfant en elles, mais dites-vous bien que l'enfant est considéré comme à moitié comme un corps étranger. Parce que c'est un animal qui a okay, la moitié de l'ADN de la maman, mais aussi la moitié de l'ADN du papa. Et en réalité, une femme enceinte va avoir un système immunitaire qui va s'adapter complètement et qui va en fait diminuer. Et donc, une femme enceinte va être plus fragile aux pathogènes qu'une femme qui n'est pas enceinte. Du coup, un enfant en termes d'embryon est déjà considéré comme un ennemi parasite. Alors, après, on rentre dans la définition de parasite. Est-ce qu'un enfant, un enfant juvénile, on va dire, est considéré comme un parasite ou pas? Je dirais que non, parce que, je vous l'ai dit, le but de tous les organismes vivants, c'est de se reproduire. Le but d'un organisme vivant, c'est donc de disséminer ses gènes aux générations suivantes. Donc, se reproduire, c'est le but. De l'évolution, c'est le but des organismes vivants. Donc, que votre enfant puisse jouer sur vous, influer sur vos comportements, etc., etc., tant que ça permet à votre enfant de garder un taux de survie supérieur, ce sera dans votre avantage au niveau évolutif. Et donc, ça peut pas en aucun cas être considéré comme du parasite. Si ça devait être considéré comme une symbiose, je dirais même que ce serait plutôt du mutualisme, parce que ça améliore ce qu'on appelle votre fitness, donc le fait de disséminer ces gènes de la manière la plus efficace possible. Ok, merci. Donc voilà, effectivement, comme prévu, tu as réussi à en tirer des choses intéressantes. Alors, je voudrais discuter un petit peu de ton boulot, de ce qui se fait ici dans le laboratoire. N'oublions pas le biomimétisme. Est-ce que tu pourrais nous citer deux, trois technologies ou autres qui auraient été réellement développées à partir d'animaux, que ce soit voilà, des résistances aux radiations, etc. Niveau technologie, voire biotechnologie. Est-ce que tu pourrais en parler un petit peu? Bien sûr. Alors on est typiquement dans le laboratoire ici de biologie marine. On a un laboratoire qui accumule pas mal de thématiques différentes en fait. Historiquement, on travaille sur les échinodermes, mais on travaille sur plein d'autres organismes différents, ce qui nous permet en fait de voyager un peu dans les organismes au sein de l'arbre de la vie, et du coup en fait d'avoir des capacités biologiques parfois un peu spéciales. Donc typiquement, le premier exemple que je vous ai parlé du biomimétisme, c'est de vous parler justement de cette colle qui est produite par les étoiles de mer, les concombres de mer, les oursins, les échinodermes de manière générale, sur lesquels on est en train de travailler ici au laboratoire. Et donc la partie biomimétisme du laboratoire travaille exactement cette production de colle. Alors
La première étape, c'est quoi? C'est, OK, on récupère des empreintes d'étoiles de mer. Vous mettez une étoile de mer sur une boîte de pétri, vous la décollez, ça laisse des empreintes de colle. Après, c'est, OK, de quoi est faite cette colle? Comment ça fait pour coller sous l'eau, finalement? Donc, il y a des études de biomécanique qui permettent de comprendre comment ça colle. Et puis, il faut s'intéresser au caractère moléculaire. Quelles sont les molécules qui permettent de faire ça? Est-ce que c'est plutôt des protéines? Est-ce que c'est plutôt des sucres? A priori, c'est plutôt des glycoprotéines qui permettent de coller, de faire l'adhérence au niveau de la surface. Une fois que vous l'avez caractérisée biologiquement, après on se dit, OK, comment faire pour la faire reproduire? Parce que imaginons qu'on puisse faire une application à partir d'une colle d'étoiles de mer. On ne va pas commencer à tuer toutes les étoiles de mer de nos écosystèmes pour récupérer cette colle, parce qu'une étoile de mer, ça ne produit pas quand même énormément de colle. Et du coup, on doit essayer de synthétiser cette colle. Et ce qu'on peut faire, c'est qu'on fait la synthèse génique, c'est qu'on utilise des organismes hôtes dans lesquels on vient introduire une portion d'ADN qui va coder pour cette colle. Donc en gros, vous repérez quelle est la molécule qui produit, enfin la molécule qui intervient dans cette phénomène, dans ce phénomène d'adhérence. Vous essayez de retrouver dans l'étoile quel est le gène qui va coder pour cette glycoprotéine. Une fois que vous avez repéré le gène, vous devez extraire ce gène, ou en tout cas le produire en société pharmaceutique, c'est tout à fait possible de produire des séquences d'ADN bien spécifiques, et vous venez l'introduire dans des vecteurs de type bactérien, par exemple. Et c'est comme ça que vous utilisez des bactéries, vous leur introduisez un gène et vous leur permettez en fait de produire de la colle pour vous. Donc vous leur donnez un nouveau caractère. Il y a pas mal de synthèses de médicaments qui se font comme ça. Tout ce qui est hormones de croissance, par exemple, c'est des bactéries qui produisent des hormones pour nous parce qu'on leur a donné le gène qu'elles n'avaient pas à la base pour produire ce truc-là. Donc là, on en est là, par exemple, au niveau de cette production de colle. On est au moment où on a réussi à extraire le gène qui produit cette colle et on l'associe dans des organismes vecteurs, du style bactérien, pour qu'ils nous produisent de la colle, pour potentiellement avoir des applications par la suite. On est vraiment plutôt en laboratoire, tiré sur l'étude fondamentale. C'est vrai qu'il y a des applications, par la suite, mais on est vraiment très biologie fondamentale de base. Alors, en restant dans ce côté biomimétisme, vous avez une capacité folle qu'ont les concombres de mer. J'ai un petit documentaire qui est paru il y a pas longtemps, qui a été filmé dans notre laboratoire à matière grise, notamment sur les concombres de mer, qui est un phylum sur lequel on travaille beaucoup, un groupe sur lequel on travaille beaucoup au laboratoire. Et ces concombres de mer, assez bizarrement, si vous en prenez un, donc ça ressemble vraiment, en parlant de paix, ça ressemble à une grosse crotte, quoi. Finalement, ça ressemble à une grosse limace. Et quand vous la tenez, par exemple, sur un ou deux doigts, elle va vraiment complètement changer de forme. Donc, on va s'adapter à la forme de vos doigts, à se ramollir complètement, changer de forme. Et en fait, ces organismes possèdent du collagène, comme dans notre peau, mais ils possèdent une autre protéine bien particulière qui s'appelle la tensiline, qui vient en fait attacher les parties de collagène les unes par rapport aux autres, et ça permet à votre animal de changer de forme. Et dire, oui, OK, c'est quoi l'intérêt dans un écosystème de faire ça? Imaginez un concombre de mer qui arrive à un endroit où il y a beaucoup de vagues, il y a beaucoup d'hydrodynamisme. Pour réduire sa surface de contact par rapport aux vagues, il va s'aplatir sur le fond de l'océan pour éviter d'avoir trop de vagues et pour pouvoir résister. Donc, c'est la partie un peu biomimétisme. Après, on a une partie aquaculture, où on s'intéresse à notamment l'aquaculture de concombres de mer, parce que les Asiatiques mangent des concombres de mer. Et là, on s'intéresse vraiment à l'impact que ça a au niveau écosystémique, donc l'impact de la surpêche sur les écosystèmes et sur le fait de, bah, tiens, qu'il y ait de moins en moins de concombres de mer. On dit, okay, bah, s'il y a moins de concombres de mer, c'est pas si grave que ça. En fait, si, parce que les concombres de mer ont le même rôle que nos vers de terre, ils ont un rôle de bioturbateur. Ils se mettent dans le sédiment, ils récupèrent les particules organiques qui sont dans le sédiment et ils les réinjectent dans la chaîne alimentaire. Ils ont un rôle primordial en réalité. Donc, si vous retirez les concombres de mer d'un écosystème, vous perdez toute la biodiversité qui est associée aussi. Donc, on a mis en place toute une ferme d'élevage de concombres de mer à Madagascar, avec un rôle écologique, un rôle économique de vendre directement aux populations asiatiques et un rôle plutôt social pour faire travailler des pêcheurs malgaches qui avant vivaient de la surpêche des concombres de mer. Donc, en grande partie aquaculture et toute la science qui est liée à l'aquaculture, comment faire pour que des animaux grandissent plus vite, comment faire pour qu'il n'y ait pas de maladies qui se développent chez les concombres de mer. Donc, on arrive sur plein d'autres choses. Et puis, on a une partie justement symbiose sur laquelle je travaille, les associations entre organismes vivants, comment certains crabes vivent sur des concombres, comment la crevette pistolet qui vit en symbiose avec des crinoïdes, essayer de comprendre ce que l'un apporte à l'autre. Je vous ai montré le petit amphipode alien, là. J'ai travaillé justement sur un amphipode quand j'étais l'année passée au Canada, sur un amphipode qui était en symbiose avec des coromous. Essayer de comprendre comment les animaux communiquent entre eux, comment ils font pour se reconnaître l'un l'autre, comment l'animal peut émettre des odeurs pour attirer
l'autre animal. Communication chimique, la communication visuelle, on travaille sur ça, sur plein de symbioses différentes. Et puis, vous avez une partie bioluminescence aussi. Par exemple, normalement, le gars qui se trouve derrière moi, qui s'appelle Jérôme Delroy, lui travaille sur la bioluminescence des organismes, non seulement sur la manière dont les organismes produisent de la lumière, mais aussi de la manière dont les organismes sont capables de percevoir de la lumière. Est-ce que les organismes qui produisent de la lumière sont capables de percevoir leur propre bioluminescence? C'est-à-dire que si vous émettez de la lumière, vous avez plutôt intérêt à voir la lumière que vous émettez pour être là, pour la réguler, quoi, justement. C'est un truc qui n'était pas vraiment connu avant. Et on a aussi une dernière partie au niveau protection écologique, avec un chercheur qui s'intéresse à la protection des coraux noirs. Je vous ai montré les coraux noirs qui peuvent vivre jusqu'à 5000 ans. Malheureusement, en fait, en ayant un squelette noir à cause d'une protéine particulière, ben, en fait, ils servent beaucoup de bijoux. Et donc, vous pouvez trouver des bijoux de corail noir, qu'on appelle aussi des antipatères. Et en fait, à cause de ça, ils sont complètement surpêchés également. Mais je vous l'ai dit, autant c'est un animal qui vit jusqu'à 5000 ans, mais c'est un animal qui a une croissance extrêmement lente. Et donc, dès que vous surpêchez cet animal-là, très rapidement, vous avez une disparition des coraux noirs, et donc une partie protection organisme aussi. Vous voyez, je vous ai fait un petit résumé, plus ou moins, toutes les thématiques de recherche qu'on a au sein de notre labo. Ok, alors tu as parlé un petit peu de modifications génétiques. Je voudrais t'embarquer là-dedans pour la toute dernière question. Tu as parlé de super-héros, de régénération, de vision dans l'infrarouge, etc. Je vais t'embarquer sur le terrain du transhumanisme. Alors j'imagine que là-dedans il y a des modifications qui seraient extrêmement complexes. On ne va pas imaginer créer un Spider-Man dans 10 ans. Par contre, est-ce que intégrer à un organisme humain les systèmes de réparation d'ADN qu'on trouve dans les méduses ou générer des cônes supplémentaires capables de percevoir dans l'infrarouge, est-ce que ce ne sont pas des choses qui seraient possibles, voire même envisagées. En fait, avant de rentrer dans le côté génétique, j'ai un petit truc sympa que je peux vous raconter déjà au niveau des tardigrades. C'est que les protéines qui permettent aux tardigrades de résister et de protéger leur ADN sont a priori transférables à l'humain. Aujourd'hui, transférable à l'humain, ça a été fait in vitro sur juste des cellules. On a montré qu'en injectant les protéines produites par les tardigrades dans des cellules humaines, ces cellules devenaient entre 40 et 50% plus résistantes aux radiations que des cellules humaines qui n'avaient pas ces protéines-là. Donc, on est déjà capable, en fait, en récupérant, non pas ici, on ne travaille pas au niveau de l'ADN, mais en travaillant déjà sur le produit final de l'ADN, donc les protéines, de rendre des cellules humaines plus résistantes aux radiations. C'est déjà un truc assez sympa. Après, c'est vrai qu'on peut travailler au niveau de l'ADN. Là, ça devient un peu plus compliqué. Donc, maintenant, on a des systèmes biomoléculaires qui nous permettent, en fait, vous avez peut-être déjà entendu parler du système CRISPR-Cas9, par exemple, qui est un système qui permet de venir éditer une séquence d'ADN bien particulière et qui permet de venir s'insérer à un endroit particulier de l'ADN et d'insérer un gène. Alors, le problème, c'est que tout ça est très aléatoire et super compliqué de manière générale dès que vous travaillez sur l'ADN. C'est que, par exemple, si vous regardez la génétique il y a 20 ans, bah, tiens, on se dit, OK, on a 3 milliards de paires de bases. Et en réalité, dans ces 3 milliards de paires de bases, la grande majorité ne sert à rien. Parce qu'en fait, on a 20 000 gènes, mais ces 20 000 gènes ne sont portés par que quelques pourcents, finalement, de ces 3 milliards de paires de bases. Donc, on pensait que les autres paires de bases ne servaient à rien. Puis après, on se rend compte qu'il y avait pas mal de maladies qui étaient dues à des mutations dans cet ADN qu'on pensait poubelle. On appelait l'ADN poubelle, cet ADN qui ne servait à rien. Puis on se dit, ah, tiens, finalement, cet ADN, peut-être qu'il sert à quelque chose. Il n'est peut-être pas là pour rien. Et on s'est rendu compte qu'il y avait plein de pseudogènes, ou en tout cas de certaines zones d'ADN, qui ont en fait un rôle dans l'expression d'autres types d'ADN. Donc, il y a non seulement le fait que vous insérez un gène, un nouveau gène dans une cellule, est-ce que ces cellules la rendre, je sais pas, surhumaine ou que des super pouvoirs? Vous devez être certain que quand vous insérez un gène dans une cellule, dans un noyau, dans un chromosome, vous devez être certain que ce gène va être exprimé aussi. Parce que vous pourrez imaginer qu'une cellule ne va pas exprimer le gène. Et c'est typiquement le cas des cellules totipotentes. Une cellule totipotente, c'est une cellule qui est capable de faire du muscle, qui est capable de faire de l'os, qui est capable de faire un œil, qui est capable de faire un cerveau. Cette cellule, en fait, quand elle va arriver dans l'environnement cellulaire qui l'entoure, il y a seulement certains gènes qui vont être codés et pas d'autres, justement. C'est comme ça qu'elle va partir vers une autre cellule. Alors, il y a déjà des. Ça existe déjà, en fait, c'est ce.
pas donné des capacités surhumaines aux humains pour l'instant, en tout cas pas que je sache. Mais au niveau de thérapie, ça existe. Ça s'appelle la thérapie génique, justement. C'est le fait de venir influer sur des maladies en faisant des modifications au niveau de l'ADN, en éditant directement l'ADN. Vous pouvez aussi gérer ça parfois en récupérant certaines parties des cellules, en induisant certains gènes et en réinjectant les cellules par la suite, par exemple, ou via un système d'édition biomoléculaire directement au sein de l'ADN, au sein de l'ADN des gens. Donc, ça commence déjà à exister, ce système de répression biomoléculaire, avec cette thérapie génique, pardon. Après, il y a tout ce qui est éthique qui accompagne ça. Je veux dire, si on regarde déjà l'ensemble du panel des outils biomoléculaires qui sont à notre disposition, on est capable de faire déjà pas mal de choses en réalité. Et là, c'est plus l'éthique qui freine, à raison, pour mon avis personnel, même si le scientifique que je suis est super curieux de tester plein de trucs. Je crois que de temps en temps, on doit se freiner aussi, parce que ouais, sinon, on fait comme actuellement, là, on essaie de détruire, enfin de récupérer toutes nos ressources, même les ressources géniques, même les ressources biologiques. On essaie de tout exploiter pour avoir un maximum tout le temps. Et parfois, je pense qu'il faut calmer un petit peu, justement. Ok, ben voilà, on est au bout des questions. Super. Un tout grand merci, Guillaume. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci pour vos interactions sur le chat. Alors, pour ceux que ça intéresse, on change totalement de sujet mardi, vu qu'on va avoir Bruno Humbe qui va se poser la question de savoir si une société sans école est possible. Voilà. Un tout grand merci Antoine, un tout grand merci aux Mimons, et un tout grand merci à vous tous derrière vos écrans d'avoir suivi. À tout bientôt en tout cas. Bonne soirée. Bonne soirée. Hop, voilà, c'est coupé.